moi j'ai fumé une petite clope, c'est bien. Il y a 18 heures de vin, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de différence. Ah, c'est pour qu'il a noté les deux. Si, si. Thank you.
Yo. Go. Un, deux, un, 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 un. Un, deux, un, 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 deux, un, un, un. Tcho, tcho, tcho. Tu entends, Florentin, c'est bon? Je t'entends, Max. Tu m'entends? Ok. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est couplée à la Ligue de l'enseignement de l'heure en direct de la Maladrerie pour le Retro Gaming Days. Donc voilà, avec Florentin bien sûr, que vous connaissez, un visage connu de la Web TV Cap Nord-Est. Alors déjà, Florentin, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien, et toi Max? Eh ben, pas trop mal, le temps se maintient, même si on est à l'intérieur, c'est toujours intéressant d'avoir du soleil pour passer une bonne, voire une très très bonne journée. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, Florentin, à la Maladrerie à Gravigny? Donc aujourd'hui, c'est les Retro Gaming Days, donc c'est un ensemble de consoles assez vieilles. Assez vieilles Bah, pas toutes jeunes non plus, hein. Une nouvelle génération, c'est l'ancienne génération. Donc les Xbox, les PlayStation, on peut retrouver aussi des bornes d'arcade qui ont été empruntées pour cette occasion-là. C'est quoi une borne arcade, c'est quoi? C'est un... Ah, je sais pas comment expliquer ça. Ah ouais. C'est une sorte de grande console avec une manette intégrée dedans, avec plein de jeux dedans, plus de 5000 jeux dans une borne d'arcade. Donc c'est assez polyvalent. On peut retrouver aussi des PC de jeux, donc beaucoup plus récents, pour voir un peu comment ça a évolué. Notamment, il y a Forza Horizon 4 dessus, c'est un jeu de voiture. On retrouve aussi des casques de réalité virtuelle, donc prêtés par l'aglo. Et il y en a aussi personnel à moi que j'ai ramené. Casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on est plongé dans le jeu directement, quoi. C'est de la 3D dans les yeux, quoi. C'est ça. On appelle ça le métaverse, donc c'est un peu le futur... de la réalité. D'accord. On projette à vivre dedans, en fait, à manger entièrement. Oh, faut faire attention quand même, on est quand même mieux à vivre y a des en gens vrai qui font, quoi. Il
Il y en a déjà beaucoup qui le font malheureusement et ça commence à ressembler pas mal. Hein. Ah ouais. Et tu crois que c'est ce qui va prendre le pas sur la nouvelle vie, quoi. C'est-à-dire que tu resteras chez toi et puis tu seras en même temps avec les autres en réunion, au travail, au boulot. Peut-être pas maintenant, mais je pense dans le futur, ouais. Ah ouais. Et c'est cool ça ou c'est pas cool? Bah ça dépend. Hein. Après, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont pas aimé. Ouais. Mais je pense que la génération à venir, ils vont être habitués à faire ça. Ouais. À pas bouger, à rester chez eux. Mais tu crois que c'est quel genre de d'activité qu'on va pouvoir faire comme ça? Parce que franchement, aller à un concert comme ça, autant regarder un DVD quoi. Parce que bah, le son. Je sais qu'il y a un Américain qui a reproduit sa maison entièrement. Il vit dedans tous les jours. Et je crois qu'il a fait un essai pendant un mois. Ah ouais. Et après, il était perdu. D'accord. Ouais, donc, ça m'étonne pas, franchement. Moi, je me vois pas aller à un concert comme ça. Et puis, on me projette, je vois le concert. Puis en fait, j'entends la musique ou j'entends le son du concert dans mes enceintes. Autant que je passe mon DVD. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été, ouais, j'imagine que ça a déjà été fait. Il y a tellement de choses qui sont faites. C'est Fortnite. C'est pas de la VR cette fois-là. C'est sur les consoles, ils ont invité des artistes. Ils ont fait chanter à travers leur jeu, du coup. Ouais. Moi, j'aime pas trop, personnellement, je préfère aller directement à un concert. Bah oui, oui. Mais en réalité virtuelle aussi, ça a déjà été fait. C'est différent. C'est différent. Quel genre de. T'es joueur, toi, déjà, pour commencer? Est-ce que t'es joueur? Moi, je suis joueur un peu. Ouais, bah oui, t'as dit que t'avais apporté ton casque de réalité virtuelle, donc ouais. Forcément, tu dois être un petit peu joueur. Tu joues à quoi? Sur mon PC de jeu, je vais jouer plus à des jeux de simulation. Ouais. Des jeux de voiture, des jeux de. Un peu tout, hein. Le but, c'est de découvrir aussi les nouvelles technologies, les nouveaux graphismes qui ont été faits. Voir comment un jeu peut être plus beau que la réalité. C'est assez impressionnant, des fois. Ouais. Et aussi, sur mon casque réalité virtuelle, je joue pas mal à Beat Saber aussi. À quoi? Beat Saber. C'est un jeu de musique. Ouais. Qu'on fait avec des sabres. D'accord. Qu'on va avoir des cubes qu'il faut taper dans le bon sens. Et ça fait des points et à la fin, il y a un score total. Martin connaît bien le jeu là. on accueillera Martin, ton collègue, ami, copain de Web TV. Tout à l'heure, il nous expliquera ça. J'allais te dire, il y a 20 ans, tu t'amusais avec quoi? Mais il y a 20 ans, t'étais pas né, toi? Ah non, j'étais pas né. Non, t'étais pas né, non. Alors, il y a 10 ans, t'es né dans le numérique, en fait, finalement? Pas réellement. Non. Enfin, si, mais jusqu'à mes 8 ans, je savais encore rien faire. Ah ouais? 8-9 ans. Et c'est là que j'ai découvert la Web TV Cap Nord-Est. D'accord. Et ils m'ont tout appris. Généralement, Lucien la aussi. La Web TV Cap Nord-Est a sorti du néant, quoi. C'est ça. Énorme. Je savais qu'il fallait faire quelques trucs, mais pas non plus la vidéo, je savais rien. Ouais. Les jeux vidéo, je connaissais pas réellement. Et la Web TV Cap Nord-Est, en fait, c'est. Bah, c'est bien. Ça permet de découvrir de nouvelles choses. Mais tu t'amusais avec quoi? Tu t'amusais quand même avant quand tu étais petit, ah, non? Ah, si, bah oui, avec des Lego, des Playmobil. Ah, ouais. Pas de jeux vidéo encore. À quel âge t'as eu ta première console ou ton premier jeu vidéo? Ah, c'est tôt, hein. Je crois que j'ai eu à 10 ans. Ouais. Ça a changé ta vie ou... Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je sortais un peu moins. Ah oui. Ça devient vite addictif, en fait. Et faut savoir sortir de sa bulle après. Et c'est pas facile. Oui, forcément, c'est assez simple de rester dans le monde du numérique. Est-ce que tu étais geek un petit peu? Ta mère t'a appelé 15 fois avant de venir manger ou te porter même un plateau repas? Ah, totalement. Ouais. Elle m'appelle toujours 15 fois avant que j'aille manger. Donc, mais ouais, c'est difficile. C'est difficile. C'est très addictif. Aujourd'hui, puisqu'avant tu faisais des Playmobil, comment tu t'amuses aujourd'hui? Comment tu rigoles? Quelles sont tes relations, tes interactions avec la société et les autres? Maintenant, je sors beaucoup. Assis-toi, hein, si tu veux venir avec nous. Non, il est parti. Il est parti, il a fui. Il a fui. Non, maintenant, je sors beaucoup plus qu'avant. Ouais. J'arrive à faire la séparation entre le jeu vidéo et la vie réelle. Donc, c'est pas quelque chose de facile non plus. Ouais. Je fais du vélo, je fais. Ah, tu fais du vélo? Je fais du vélo. Mais c'est un truc de dingue, ça! Non? C'est pas ouf, mais je fais du VTT. Du VTT, d'accord. Combien de kilomètres c'est Ouais, des petits trajets de 30 km par week-end. 30 km par week-end? Bah, c'est déjà pas mal, 30 km par week-end. Je pars en vacances en vélo. Ah ouais. Et tu vas où en vélo en vacances?
on fait des longs trajets, c'est-à-dire on part d'un point A, on sait pas encore cette année. Ouais. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait la Loire à vélo. La Loire à vélo. C'est ouais, plus de 1000 km. Donc sur les berges de la Loire, t'as suivi la Loire. Sur plus de 1000 km, on a fait ça. Mais tu fais ça avec des copains, avec le avec, la web, avec tes parents, ouais. En famille donc. En famille, ouais, avec mon frère et ma mère et mon père. Wow. On part. Ouais. Ok. Et le soir, vous dormez où? C'est bivouac, c'est camping. Camping, d'accord. Ouais. Donc il y a une petite carriole, une petite charrette, c'est sur le sac à dos. C'est ça. D'accord. Carriole et sac à dos. Ouais. Parce que ça rentre pas dans une remorque malheureusement. Alors comment, quand t'es dans ces moments-là, comment t'es connecté avec le monde numérique? Ton téléphone? Téléphone, hein. Téléphone. Après, on utilise pas vraiment le téléphone, mais j'essaie de pas trop utiliser mon téléphone. Même si des fois, on me croit pas du tout. Ouais. Des fois, je passe une journée sans téléphone, on me dit bah non. C'est pas possible. Bah si. Ouais. Je connais plein de copains qui savent pas faire ça en fait. Demain, dans le futur, ouais. Tu vas t'amuser avec quoi? Et puis comment tu vas communiquer? Comment, à ton avis, on va pouvoir s'informer, même si on a déjà un petit peu parlé avec le métavers? Toi, comment tu vas faire? Et puis comment peut-être tu vas amener ça à tes futurs enfants? Moi, je pense que le futur, c'est on peut pas le prévoir. C'est au fur et à mesure, on va voir ce qu'on fait. Mais je pense que j'ai pas mal joué aussi. Ça n'a pas changé, ouais. Je vais toujours jouer sur des consoles, sur des PC d'ordinateurs. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça paraît vieux, mais en fait, c'est tout nouveau. C'est comme, je sais pas, par exemple, le bâtiment. Il y a un siècle, c'était nouveau. Maintenant, c'est normal. Ouais. Donc à voir, je sais pas, à la suite, si c'est normalisé ou ça évolue encore. Je trouve ça intéressant. Ouais. Très bien. Florentin, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ta personnalité, en tout cas, quel genre de joueur tu étais. Toi, ta génération, c'est quelle console? Sont plus PS5 et dernière génération, mais moi non. Toi non, toi non. Non. Toi non. Vieille console, c'est plutôt marrant si. Et approcher le monde professionnel par la réalité virtuelle, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense ça commence à arriver, mais je sais pas ce que j'en pense. Ouais. C'est trop nouveau pour avoir un avis dessus. Parce que explorer un métier, est-ce que c'est important d'aller découvrir le métier directement avec le professionnel? Est-ce qu'il faut uniquement le découvrir avec les casques de réalité virtuelle? Est-ce qu'il faut faire les deux? Surtout pas mettre en opposition, j'imagine, l'un contre l'autre, mais à ton niveau. Pour moi, la réalité sera toujours mieux d'aller voir directement de soi-même que voir dans un casque de réalité virtuelle. Après, la réalité virtuelle, c'est encore en développement. Ça commence à bien marcher d'ailleurs. Mais faut toujours aller voir dans la vraie vie, je pense. Parce qu'on voit quand même beaucoup dans les salons d'orientation, ouais. La découverte des métiers aussi par les casques VR comme ça. Ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus dans les découvertes de métiers, mais faut toujours aller voir dans la vraie vie. Parce qu'entre ce que tout le monde dans un casque VR, est-ce que réellement le métier, je pense qu'il y a quand même une barre entre les deux. Ouais, il y a un petit décalage. Ok, bon bah écoute, comment on peut donner envie aux gens qui regardent la Web TV Cap Nord-Est de venir nous rejoindre? Parce qu'on est ouvert jusqu'à quelle heure ici? Vous accueillez les gens jusqu'à quelle heure? Alors de base c'est 17h, mais ce sera plutôt 18h. Ouais. Parce qu'il y a déjà pas mal de monde. Donc petits écrans jeunes et moins jeunes, venez nous rejoindre pour essayer les consoles des parents, des grands-parents et les nouvelles générations qui arrivent. Et qui arriveront. Petits écrans ou petits écrans, c'est voilà, les deux, hein. Et grand écran. Julien vient de passer juste là. Julien, est-ce que tu peux t'approcher des micros? Je sais pas déjà si tu as fait un test pour voir si le son passait bien, parce qu'on vient de se mettre. Alors attends, je te montre ton micro. Sur la Web TV. C'est sur la Web TV Cap Nord-Est. Ouais. Ah, j'ai pas fait. T'as pas fait? J'ai pas fait, alors, je peux regarder. Voilà, attends, il y a Lucien qui doit m'en parler. Voilà, Lucien et. Il dit quoi? Il dit ouais, c'est pas bon le son, c'est lui le spécialiste. Non, comment il nous critique? Je vois qu'on n'est pas très bien cadré en tout cas avec les caméras. Hop, on va mettre celle-là comme ça et puis on va retourner un petit peu. On est en direct, on va grandir. On est en direct. Ah, sur Facebook, oui. Sur Facebook, ouais, pardon, excusez-nous, ah, ouais. On est des Facebookiens.
pour l'instant, c'est la Web TV Cap Nord-Est, accompagnée de la Ligue de l'enseignement de l'heure. L'éducation populaire est au grand complet aujourd'hui pour vous accompagner dans la découverte de ces jeux vidéo à la fois futuristes avec la VR et puis anciens avec les bornes arcade qu'on pouvait trouver dans les établissements de jeux, hein, c'est, à l'époque. C'est ça, exactement ça. Et du coup, on est bien en direct et on vous entend super bien. Bon, bah super. C'est ça qu'on voulait savoir parce merci que. Merci à la station de m'avoir répondu. Merci à la station. Attention au rond-point, il y a les papas 22, c'est pas comme ça? C'est ça, ouais. Le ruban est propre. Voilà. C'est ça. Alors, Julien, toi, présente-toi un petit peu, même si sur la Web TV Cap Nord-Est, on te connaît, mais s'il y a des nouvelles personnes qui regardent parce qu'ils sont juste intéressés par le rétro gaming et puis ils sont tombés là comme ça. Toi, quel est ton rôle justement sur le PST Cap Nord-Est et à la Web TV? Alors, à la Web TV, alors sur le PST Cap Nord-Est, je suis animateur territorial et du coup, je m'occupe de faire des animations pour les jeunes sur tout le territoire du Cap Nord-Est. Et là, on a organisé une. Alors, du coup, c'est une 7e édition de Retro Gaming parce qu'on l'a fait pendant les vacances de Noël 6 fois, mais plus en campagne. Donc, c'est la plus grosse pour l'instant. Et par contre, c'est là où on a déployé le plus de matériel. D'accord. Ouais. Ouais. Mais alors parce que aussi on est une grosse équipe cette fois-ci, parce que d'habitude on était 2 voire 3 avec Martin, voire 4 avec Yanis. Et du coup, là on a déployé des bornes d'arcade en plus, quelques consoles en plus. C'était super chouette. On fait tout en même temps, on dit règle un peu plus la webcam. T'as l'écran de retour qui est là, voilà qu'on nous. Voilà, c'est pas mal ça. Comme ça, on est tous dans le champ. Toi aussi, tu vas pouvoir être dans le champ. Martin, greffe-toi à nous. Julien, pour rester avec toi avant de l'accompagner et s'occuper de Martin, t'es un gamer toi? Oui. Oui. Ouais. Oui. C'est un vrai oui. Ah ça, ouais, c'est un vrai oui. Bah, bonhomme ça. Après, bah, je t'avoue que toutes les consoles viennent de mon salon à quelque chose près. Donc, c'est un grand salon quand même que tu dois avoir parce que la majorité c'est quand même. J'ai un salon secondaire. Ouais, effectivement. Bah, il habite ici en fait. C'est ça, on est chez lui quoi. Non, c'est quand même plus joli chez moi quand même. Il y a 20 ans, toi, comment tu t'amusais, comment tu communiquais, comment tu t'informais? Alors. Il y a 20 ans, avant j'ai 20 ans. Je peux poser la question parce que il y a 20 ans, tu étais né. Lui en face, il n'était pas né. Alors, il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Oui. Tu vois, c'est il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Et donc, comment je. Attends, c'est quoi? C'est moi qui fais la question, mais je me rappelle. Comment je m'amusais, comment je communiquais? Je m'amusais. Alors, je jouais très peu il y a 20 ans. Je jouais moins que maintenant. Maintenant. Allons même plus loin, il y a 30 ans, 35 ans finalement, puisqu'il y a 20 ans, tu avais 20 ans, donc il y a une trentaine d'années, comment tu jouais, comment tu communiquais? Alors, je jouais plus dehors qu'à la console, parce que j'avais pas trop le droit d'avoir de console chez moi, j'ai eu très tard, donc j'ai dû acheter ma première console à 18-20 ans, un truc dans le genre. Donc je jouais un peu sur ordinateur, parce que j'avais la chance d'avoir un ordinateur, mes parents en avaient acheté un. Et comment je communiquais? Alors, moi, je vais te surprendre, je faisais de la radio. D'accord. Ouais, j'étais radio amateur. Radio amateur. Ouais. Et en gros, c'est la CB, là. C'est la CB améliorée, effectivement. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, j'ai été le plus jeune radio amateur de France licencié une année. D'accord. Parce que j'ai passé ma licence, devais être en 4e au collège. Ah ouais. Et du coup, j'avais été le plus jeune à l'époque. Et donc, je faisais de la CB améliorée, mais en grandes ondes, sous licence. Et à l'époque, il y avait une chose qui se développait énormément. Alors, c'était le prémisse de l'email, peut-être. Je faisais beaucoup de SSTV. Alors, j'ai fait un peu de morse à l'ancienne. J'ai fait de la SSTV. La SSTV, c'est. J'avais soudé une carte avec des composants qu'on branchait en com sur un 486 ou un 286, un vieux ordinateur. Et on s'envoyait des images. Et elles descendaient. On se voyait des cartes postales, en gros, qu'on pouvait scanner. Et ça descendait trait par trait par les ondes hertziennes. Ouais, je communiquais comme ça. Ah ouais. J'étais complètement à l'ouest par rapport aux autres. T'étais barré, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais. J'étais avec mon micro tous les soirs. Je communiquais avec des Portugais, des Espagnols, des Brésiliens, des Russes. Alors, moi, mon père faisait de la CB, mais c'est vrai qu'on pouvait fallait rajouter des fois des aimants pour aller capter plus loin. T'avais plusieurs fréquences, t'avais la M, la FM, l'USB, l'SSB. C'est vrai que tu parlais avec des gens, c'était un sacré moyen de communication. Tu savais pas à qui t'allais parler. Enfin, si, tu pouvais donner rendez-vous ou il y avait des canaux où tu savais qui parlait quand. Mais en vrai, des fois, tu faisais ce qu'on appelle l'USB, la longue distance, et du coup, et tu t'envoyais des cartes postales à l'époque pour confirmer le contact. Ouais.
Ah ouais. C'était cool. C'est vrai, tu parles de cartes postales, c'est vrai que moi... Des cartes postales. Oui, comment, excusez-moi, vous êtes qui? Ah bonjour, en chantier, je m'appelle Teuse. Ok, super. il est extraordinaire, c'est Martin. Fallait pas l'inviter. Yes, I. Voilà, bonjour Martin. À tous, bonjour. Bonjour Martin. Bonjour. Oui, nous c'est vrai qu'on communiquait, Martin, avec des cartes postales, on écrivait des lettres quand on arrivait. On les postait, on les timbrait, on les écrivait. Ouais. Toi, t'as fait ça, toi? J'ai fait ça, j'envoyais des cartes postales. Ouais. D'accord. J'ai connu les cabines téléphoniques. J'ai connu aussi l'époque des cabines téléphoniques. À pièces? Ouais. À carte aussi. Oui, mais pas à pièces. À carte, hein. Pas à pièces, non. Non, pas à carte, oui. À carte, oui, quoi. Ouais. Après, je m'occupe de toi. Julien, vas-y. Aujourd'hui, comment tu... Non, déjà encore, il y a 30 ans, le jeu vidéo, pour toi, c'était quoi? C'était les jeux sur les ordinateurs. Ouais, on est à peu près de la même génération. Donc, ouais. Moi, je me souviens très bien que... Fallait laisser charger le jeu. Ouais, c'était au moins 30 minutes. Sur un CD. T'avais le temps d'aller faire le tour du lotissement en vélo et puis d'aller jouer chez ton pote qui avait un ordinateur. Et il y avait un pote qui avait un ordinateur. Et puis après, tu jouais avec au ping-pong, là, avec des... Ah non, non, je suis pas si vieux que ça. Non, je suis pas si vieux que ça. Je suis désolé. Non, je jouais déjà au jeu, je crois, le premier sur mon PC, ça va être Need for Speed 2. Ah oui. C'était déjà une Force Speed 1 ou 2. Ah oui, t'es pas si vieux que ça alors, du coup. Bah, j'ai 40 ans, mais je me suis mis tard quand même. Ouais, parce que moi j'ai eu une console quand j'étais à... Oh, je sais plus si c'était ado ou avant, ça s'appelait la Vidéopack 2000. On mettait des cassettes comme ça et puis on jouait à un jeu de voiture, mais c'était des circuits carrés, des voitures carrées. Ouais. Et puis il y avait Pac-Man, puis voilà. Pac-Man. Et c'était les jeux, un jeu de tennis aussi. Bah, on des parle trucs. De Pac-Man, il y a Pac-Man et, sur les bandes d'arcade. Et après, moi j'ai fait le break total avec les consoles pour retrouver la PlayStation 1 en fait. Quand PlayStation 1 est arrivée, donc on avait déjà plus de 20 ans quasiment, 20 ans, la première fois qu'on s'est mis une PlayStation dans les mains. Et là, oui, par contre, on a passé des soirées entre copains à jouer aux jeux de voiture et tout ça, quoi. Ah oui, c'était vraiment... Need for Speed, c'est à peu près aussi... L'époque de la PlayStation... Tekken, Need for Speed, tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Aujourd'hui, comment tu t'amuses, comment tu communiques aujourd'hui? Ah bah, j'ai un smartphone pour communiquer. Je joue pas avec, par contre. Je joue pas avec mon smartphone. J'ai mes vieilles consoles. Mais si on reste sur le jeu vidéo, je joue beaucoup avec les casques VR. Ah ouais? Ouais. Je suis plus de la moitié du temps de jeu que je fais, c'est en réalité virtuelle, clairement. Clairement, j'ai les nouvelles consoles, les nouvelles générations, Xbox, PlayStation, ça je les ai, il n'y a pas de souci. Mais je préfère la VR en fait. C'est hyper fatigant. Comme je dis, c'est à chaque fois, je me mets en jogging, en basket, je pousse tout dans le salon et je joue et je joue une heure et demie parce que la batterie du truc dure une heure et demie, deux heures. Quand t'es dans la VR, et après, je suis crevé. Ouais. Je suis crevé, je suis calmé. Alors, du coup, ça permet de jouer debout tout le temps, pas assis dans un canapé, du coup, et c'est une immersion assez folle. Sinon, je m'amuse plus avec mes enfants dehors. Ouais. Voilà. Et donc, vu que tu es déjà un peu quand même dans le futur, hein, déjà finalement, est-ce que toi, pour toi, s'amuser dans le futur, ça va être comment? Communiquer, ça va être comment? C'est la VR qui prend place? C'est aller voir un concert en métavers, là? Ouais. C'est aller en cours en métavers? Ça se fait de plus en plus? Bah, je sais pas. Alors, moi, tu vois, je vais te dire un truc, c'est honnête. J'ai eu un casque VR avant que ça sorte dans le commerce. J'ai eu la chance d'avoir un cousin qui l'avait. Et qui est développeur en gros, quelque chose près. Et c'était déjà un format miniature comme ça ou c'était... Ah non, c'était beaucoup... déjà comme le noir qu'il y a au fond de la salle, qu'on branche sur un ordi, et c'était déjà assez abouti l'histoire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, en essayant le truc, je me dis, il faut pas que ça sorte ça. Et c'est sorti. Ouais. Et effectivement, c'est exceptionnel. Je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Il y a moins que ça soit juste une transition quand même vers autre chose. Est-ce que, alors moi je suis pas du tout dans ces trucs-là, mais est-ce que le métavers, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est... Ah, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses différentes, mais est-ce que c'est à un moment donné, c'est ça le futur, quoi? C'est... Là, le métavers, c'est le futur de maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Des prochaines années, ça c'est sûr, parce que même les dernières consoles, la dernière Sony, ils ressortent la VR dessus, et donc c'est que ça fonctionne. Donc après, je pense, on voit des setups, des gens sur ordinateur qui ont une course à l'armement monumentale avec des sièges baguets quand tu veux jouer à un jeu de voiture et tu mets le casque, t'es dans la voiture. Et c'est tellement bien fait que c'est un film, c'est chaud quoi. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai que tu
t'es spectateur, hein, quand tu joues pas mais que tu regardes un joueur, t'es presque spectateur d'un film, quoi. Enfin. Oui, et puis surtout que maintenant il y a, c'est super développé, il y a des chaînes de e-sport, il y a vraiment pas des JO de ça, mais presque. Hein, il y a des joueurs de jeux vidéo, c'est des stars. Le e-sport va être aux Jeux Olympiques, hein. Oui, c'est de vrai. De toute façon, ouais, donc, il y a des sportifs e-sport qui sont connus, reconnus. Ouais. Moi, j'ai vu des finales de League of Legends où, sur Paris, il y avait 400 personnes assis par terre en train de regarder 8 joueurs. Quoi. Ouais. Et les mecs, les 8 joueurs qu'il y avait, ils étaient ultra connus. Quoi. Ils ont des maillots de sport et tout, ça, c'est fou. Et, Julien, pour terminer... aujourd'hui, c'est Retro Gaming Days. Ouais. On peut y venir jusqu'à quelle heure? Qu'est-ce qu'on y trouve? Fais-nous aussi, toi, ton petit speech. Alors, on a eu Florentin qui nous a donné envie d'y aller, mais toi aussi. C'est rue du Carmel, à la Maladrerie, à Gravigny. Donc, c'est jusqu'à 17h ce soir. Donc, il y a des bornes d'arcade. Il y a la plupart de toutes les Nintendo du coin et de Navarre. Il y a un PC gamer de Florentin. Très bonne qualité. Il y a des casques VR. Bon, il y en a 7, mais on en a sorti 3 pour l'instant, ça suffit. Il y a un jeu de danse où on joue sans manette. Il y a la Wii avec pas mal de jeux. Et il y a toutes les Sega, PlayStation et des bornes d'arcade. Et puis une partie pédagogique et plateau web télé. TV animé par toi-même. Il y a la buvette, il y a la buvette. Et la buvette du point. La buvette, ça, voilà. buvette. Ça c'est important, la buvette. On va forcément y aller. Alors, tu dis plateau web TV, c'est plutôt un plateau d'échange. Hein. Enfin, oui, c'est tout à fait un web média. On échange, venez donner votre avis. D'ailleurs, si vous êtes dans la salle et que vous nous entendez, les micros sont ouverts. Venez nous parler des jeux vidéo. On a besoin de recueillir ce que vous avez envie de dire. Que vous ayez d'ailleurs 50 ans, 60 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Tant que a un avis. Tout le monde a un avis sur le jeu vidéo. Ouais. Tout le monde a traversé le temps. Ouais. Et on pourra tous répondre à la question comment tu jouais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quand tu étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune, on va dire. Voilà. Et comment tu penses jouer quand tu seras plus vieux? Voilà, c'est ça. Ah, c'est mais ça. Alors moi, je pense que je jouerai encore plus vieux. Le jeu, c'est la vie. Je pense. Oui. Ah, c'est ça. Julien, merci, tu repasses nous voir quand tu veux, parce qu'on sait qu'on peut pas te monopoliser comme ça tout le temps. Je vais m'occuper maintenant de El Señor Martinez. Aïe, aïe, aïe. Hein, voilà. Bonsoir. Et Julien, non, c'est bon. Non. Poisson d'avril. Martin, est-ce que Maxime, tu peux te présenter, nous dire quel est ton rôle social ici, ta taille en centimètres Non, alors Martin, 20 ans, donc du coup bénévole avec la Web TV Cap Nord-Est et du coup bénévole au PST. Je viens ici parce que c'est une bonne ambiance, on va dire, de jeu. Où il y a du monde, où on peut rencontrer des personnes, on peut voir tous les types de joueurs qui peuvent exister. Ceux qui sont plus bornes d'arcade, ceux qui sont plus console quoi, donc VR, ceux qui bougent avec la Xbox, Kinect, le casque VR comme disait Julien. Les bornes d'arcade surtout parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez ancien et qui commence à revenir un petit peu et je trouve ça sympathique. De voir ce genre de choses. Toi, pour faire connaissance un petit peu plus, t'es joueur, t'es pas joueur, t'es plutôt joueur de plateau, joueur de console, joueur de foot? Plutôt joueur plateau, je fais un peu de tout. Un peu de tout? Ouais, un peu de tout, oui. Comment tu jouais? Alors, toi, t'as plus de 20 ans. J'ai 20 ans tout pile. T'as 20 ans tout pile, donc voilà. Je vais pas te dire comment tu jouais il y a 20 ans, mais... Bah non, il y a 20 ans, je jouais pas, j'étais encore j'étais encore occupé. T'étais en train d'essayer de sortir, voilà, donc comment comment tu jouais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années? Il y a une dizaine d'années, je jouais à la Wii, à la maison, ou jeu de plateau, je faisais un peu de tout. Non. Si. À la Wii? À la Wii, et même à la... Fais attention, tu sais qu'en ce moment, dans les écoles, dès que tu dis oui, on te dit fille, c'est la Wii. Oui, ça je le sais, ça. Tu sais? Non, oui, bien sûr que je sais. Donc tu joues à la Wii, toi? Ouais. Ouais. À quoi tu jouais? Quel genre de jeu? Des jeux de bataille Wii Sport, Wii Party, je faisais un peu de tout. D'accord. Les jeux de ballon à l'extérieur, tu jouais à ça aussi quand t'étais petit? T'es né dans le numérique, toi, finalement, quand même, non, il y a 20 ans? Non, je suis pas né tant que ça dans le numérique. Non.
Non, après, j'ai connu aussi l'époque des billes, tout ça. Ah, t'as joué aux billes ? Mais bien sûr qu'on joue aux billes dans les écoles. Tu faisais des trous au pied de l'arbre, là, et puis exactement, tu jouais aux billes. Exactement, dans le sable, et puis après, on jouait aux billes. Oh, et t'étais fort ? T'avais un gros sac de billes ou pas ? Ouais. Ouais. Bah, j'en ai encore un bon paquet à la maison. Est-ce que t'as joué aux cartes Pokémon et tout ça ? Non. Non ? Enfin, un peu. Mais pas plus, sans plus. Quoi. Comment tu communiquais ? Est-ce que tu as communiqué tout de suite toi, ton mode de communication, ça a tout de suite été le numérique, le portable Non, ça a été au début bah, tout ce qui est carte postale, lettres qu'on envoyait, tout ça. Après, bah, ça est venu au fur et à mesure à partir de la quatrième. À la quatrième, ok. Et on parle de téléphone, mais quand tu voulais contacter un copain, un truc, comment un ami, une copine, comment tu faisais Bah, on en parlait dans la cour et puis on se donnait rendez-vous un jour, une date, ou sinon je prenais le téléphone de ma mère et puis j'appelais quoi. Ouais, ah, t'appelais avec le téléphone de ta mère. Ouais, mais parfois, pas tout le temps, mais de temps en temps. D'accord. Aujourd'hui, t'es quand même ancré sur le territoire de Gravigny dans le numérique, oui. Via la Web TV Cap Nord-Est. Ouais. C'est quoi ton rapport au jeu, aux moyens de communication ? Comment tu t'informes ? Eh ben, comment je m'informe ? Eh ben, je m'informe du coup bah, avec toutes les applications qui existent et qui peuvent exister. Il y a aussi les informations quand Julien nous me les transmet ou autres. Il y a plusieurs types de renseignements ou comment je m'informe. Ouais, mais t'es quand même un peu plus allé chercher l'information sur, ouais, sur voilà, Google. C'est comment, ça. Voilà. Ouais, c'est ça, ou sur Facebook. Ou sur Facebook. Comment tu t'amuses ? Comment tu joues ? Bah, je joue, ça dépend, je joue sur mon PC, ça m'arrive de jouer aussi sur mon téléphone, tout ce genre de choses-là. Alors moi je te connais un petit peu, je sais que tu joues, enfin je sais pas si pour toi c'est un jeu, une passion de la réalité presque virtuelle, t'adores tout ce qui est lié au transport et à la conduite des bus. Ouais. C'est quoi, tu passes beaucoup de temps sur ton PC à jouer ? Pourquoi ? Je passe du temps à jouer sur mon PC au jeu de bus, mais après ça m'arrive de jouer à d'autres jeux sur le PC comme le Uno ou d'autres choses, des choses autres. Le loup-garou, tout ça, tu te retrouves avec des amis en vrai pour jouer à tous ces jeux-là ? Oui, bah oui, ça m'arrive parfois d'y jouer de temps en temps. Oui, bah oui, bah c'est bien. Puis en plus, un jeu où on peut rigoler ensemble et tout. C'est un jeu qui peut se jouer à n'importe quel âge, et puis avec tout type de personnes. Le futur, l'avenir pour toi, au niveau de la communication, au niveau de s'amuser, de l'information en ligne, tout ça. L'information en ligne, je trouve que c'est pas mal. Après, ce qu'on se dit, c'est que tout le monde n'a pas d'internet, quoi. Ouais. Donc c'est toujours quand même pas mal d'avoir toujours une information papier ou d'avoir une information, je sais pas, moi, en mairie, ou des choses qui sont mises dans les boîtes aux lettres, tout ce genre de choses. Il faut garder des lieux physiques sur lesquels on peut aller. Voilà, c'est ça, il faut toujours quand même garder un minimum de lieux où on peut retrouver l'information en format papier. Ok. Malgré que le numérique prenne le dessus petit à petit, mais c'est toujours pratique d'avoir toujours un format papier. Très bien, très bien, très bien, très bien. Martin, comment tu peux donner envie aux gens de venir nous rejoindre ici, à la Maladrerie, à Gravigny ? Et bah, comment je peux leur donner envie ? Bah, en venant du coup bah, partager un bon moment avec plusieurs types de personnes, que ce soit anciens, jeunes. Il y a beaucoup de choses, on peut s'amuser, on peut par exemple faire de la Kinect, comme on le dit depuis le début. Il y a beaucoup de choses en fait, on se rencontre, on parle, on partage, on fait beaucoup de choses. On fait pas mal de choses. Et oui, okay. On fait pas mal de choses, du partage, de la passion, des rencontres. Du partage et de la passion, est-ce que ce sont des choses qu'on retrouve dans le numérique, ça, du partage et de la passion ? Bah, du partage, bah, par exemple, si on partage la même chose au niveau, comment je pourrais dire ? Du partage, par exemple, de choses, de jeux qu'on aime beaucoup, du plaisir, de la connaissance, tout ce genre de choses. On joue, tu joues en réseau, toi ? Ça m'arrive de temps en temps, parfois. Ok, bon.
Martin, je te laisse tranquille. J'envoie une petite pause de musique libre de droit pour pas qu'on nous coupe bien évidemment. Sur Facebook. Et puis, on le temps de retrouver d'autres personnes qui ont envie de témoigner. Et puis, on se retrouve plus tard. Tu reviens nous voir. Ça marche avec plaisir. Allez. À plus.
Eh bien voilà, on est de retour en direct de Gravigny à la Maladrerie, sous la belle tente de la Ligue de l'Enseignement de l'Eure, en direct du Rétro Gaming. Et on a deux invités, puisqu'on poursuit nos questionnements aux gens qui sont là. Alors déjà, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Oui. Alors comment tu t'appelles ? Alan. Alan, bon, ça va Alan ? Oui. Ok. Alors Alan, est-ce que toi tu es un joueur toi ? T'es un joueur ? Bah réponds, vas-y, ouais. Ouais ? Mais à quoi tu joues ? Alors le micro, regarde, le micro tu le poses sur ton menton. Voilà. Voilà. Le menton. Voilà. Voilà. À quoi tu joues ? Je joue par exemple à Mario et les lapins crétins 1, Mario et les lapins crétins 2, à Mario Kart 8 Deluxe, Kirby to Dream Land Deluxe, Kirby et le monde oublié. Oh là là, ah ouais. Et d'autres jeux. C'est un sacré panel de jeux toi. Alors, comment tu joues ? Tu joues tout seul ? Tu joues avec la famille ? Tu joues avec tes copains ? Comment ça se passe ? Des fois je joue avec mon père, des fois je joue avec tout seul. Et entre nous, tu le bats ton père ou pas ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah, il te laisse pas gagner en plus. Ah non. Un petit peu. Alors, toi, du coup, tu le papa, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Julien. Ouais. Julien, d'accord, Julien. Alors, est-ce que comment tu jouais toi avant, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être ? Oui. Moi, j'ai connu les premières consoles. Ouais. Atari 2600. D'accord, voilà. Ok. Donc avec Moon Patrol et petites choses comme ça. Ok. Puis après le jeu vidéo a évolué, la NES. Ouais. Puis après on a suivi les consoles, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2. Ah oui, donc. Et puis maintenant la Switch. Donc toi t'as connu aussi le temps où il n'y avait pas forcément, on passait pas le temps tout le temps sur les consoles et le numérique. J'ai connu effectivement les consoles où on achetait le jeu et des fois il y avait une heure de jeu et puis le jeu était fini. Ouais, effectivement. Alors, du coup, comment tu jouais avant sans les consoles finalement ? Comment je jouais avant sans les consoles ? Ouais. C'était jouer dehors en fait, hein, ouais. Infiniment, football, les choses comme ça avec les copains en bas de la cage d'escalier quoi. C'est ça. Alors toi, est-ce que tu joues aussi un petit peu comme ça ? Est-ce que tu continues à jouer sans la console ? Oui. Oui ? T'aimes bien aussi quand même ? Oui. Ouais. C'est quoi les jeux que tu pratiques le plus avec les copains dehors ? Le football. Tu joues un peu au foot quand même avec les copains ? Oui. Ouais. Aussi je fais du sport comme du sport. La balle aux prisonniers. Ah c'est bien ça. Du handball. D'accord. Un peu de vélo peut-être ? Donc voilà, t'es pas complètement que dans les jeux vidéo finalement. Non. Si. Si, ah ouais, quand même. Faut limiter. Ouais, faut pas être obligé de couper ça. Un peu la console. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, toi qui as connu ce monde et aujourd'hui qui connais les consoles, est-ce que t'es encore dans le jeu avec les consoles ? Est-ce que comment tu t'amuses ? Parce que c'est important de s'amuser aussi, même si on est au travail. Moi, j'ai des passions en dehors, hein, ouais. Effectivement. Mais ouais, je joue toujours à la console, ouais, effectivement. Ouais. Alors plus des jeux que j'ai connus avant, mais qui continuent, Zelda, par exemple. Okay. Zelda et puis beaucoup de jeux de rôle, The Witcher, par exemple. Moi, je connais pas grand-chose. D'accord. Donc voilà, beaucoup en fait, j'aime bien rejouer à certains jeux que je jouais quand j'étais petit. Quand un nouveau Mario sort, j'y joue. Voilà, d'accord. Clairement. Et puis un petit peu de rétro gaming aussi. Hein. Des fois, je télécharge des jeux que j'avais quand j'étais gamin. Ouais. Et puis je joue, voilà quoi. Les bornes d'arcade qui sont installées là, ça rappelle un petit peu le. Exactement, notamment Metal Slug sur Neo Geo, effectivement. Ouais. Ça rappelle un petit peu le... Comment on s'informe dans la famille, chez vous, comment vous faites ? C'est sur Internet, c'est dans les lieux dédiés à l'information, que ce soit pour les vacances, pour avoir des informations. Est-ce qu'on va chercher les informations que sur Internet ou est-ce que vous avez des réflexes d'aller dans un syndicat d'initiative ? Comment on fait ? Ouais, c'est beaucoup sur Internet en fait. Ouais. Ouais, beaucoup sur Internet, ouais, effectivement. Ouais, tout en numérique, pas mal quand même. Ouais, ouais. Le futur, comment t'imagines t'amuser dans 10 ans ? Comment l'évolution du jeu vidéo, la réalité virtuelle, on parlait tout à l'heure du métavers. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles t'es déjà attentif à ça ? Non, en fait, très bonne question. J'avoue que le métavers,
ils en parlent, mais c'est pas quelque chose qui me branche en fait. Ouais. Ça devient trop virtuel en fait. Ouais. J'espère que ça prendra pas trop le pas, que ça prendra pas trop le pas, et qu'on restera un peu. Alors certes, faut que la technologie évolue, mais toujours à des jeux vraiment de console où on savoure. Le métavers, un monde virtuel, je suis pas fan. Alors comment justement on a un rôle de parent, moi aussi j'ai une fille qui a 7 ans, comment on va accompagner les enfants sur, parce qu'ils vont grandir avec le métavers, comment on va faire pour garder le lien avec ce qu'on connaissait nous quand on était plus jeune, sortir, voir les copains, parce que regardez, on disait tout à l'heure, aller voir un concert de chez soi en métavers, c'est pas comme aller voir un concert au Cube c'est ça, il va falloir garder le lien, ni plus ni moins. Alors après c'est aux parents aussi d'essayer de garder le lien dès le départ et non pas de laisser les enfants fur et à mesure où ils grandissent faire et puis se détacher de la société, mais ouais, faut être attentif à ça, ouais. Et ouais, je pense que nous, enfin c'est ce qu'on va faire, c'est essayer de les accompagner dedans, même si moi je suis pas fan, et après bon bah quand ils vont grandir on aura plus trop le choix, mais voilà, ils feront leur choix. Toujours les aider à les éduquer à grandir, ouais, avec c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alan, c'est ça, hein, c'est Alan, hein. Oui, ton rêve ultime dans le jeu vidéo, c'est quoi, toi? Comment tu vois le jeu vidéo de demain, là? Approche-toi de ton micro. Jouer à tous les jeux. Jouer à tous les jeux. D'accord, mais est-ce que toi, tu sais, alors je sais pas si la réalité virtuelle, tu vois ce que c'est un petit peu, les casques et tout ça? Oui. Comme le casque que tu as joué tout à l'heure. Là, tu vois? Je vois pas trop. Non? Tu sais, c'est pour t'aider un petit peu, c'est là quand tu joues aux jeux vidéo, t'as une manette et tout ça, mais quand tu commences à rentrer dans la réalité virtuelle, t'es quasiment le bonhomme qui joue, quoi. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont dans les rêves, où tu vas te prendre pour un super héros de jeux vidéo, ou toi tu restes avec la console et les manettes comme ça? Non. Non, quoi? Tu préfères rester avec ta console ou tu préfères vraiment te prendre pour un super héros comme le casque que tu as joué tout à l'heure de réalité virtuelle? Rester avec ta console. Bon, voilà, déjà ça va aller moins vite pour lui, déjà dans un premier temps. Et eh ben écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci à vous. Ben, pas de problème. On est là pour ça. On est là jusqu'à 17h, peut-être 18h. Hein. Bon, avant que le soleil se couche, on va fermer. Un événement de rétro gaming comme ça organisé à Gravigny, c'est intéressant. Pourquoi t'es venu justement d'ailleurs? En fait, c'est clairement ma femme a vu ça en fait. Je crois que c'est à l'école en fait. On a dit on va aller faire un tour et franchement c'est une super organisation pour une petite ville comme Gravigny, ouais, franchement c'est ludique, c'est bien, ouais, franchement c'est bravo. Et toi Alan, t'es content d'être venu ici? Oui. Il y a des jeux que t'avais jamais vus? Bah en fait je les ai tous jamais vus sauf Mario Kart, le truc de combat là, Sonic. Et les bornes qui sont derrière toi là, tu vois, ça t'avais déjà vu des jeux comme ça? Non. Ah, tu vois. Et voilà. Ça, nous, quand on était des enfants, on voyait des trucs comme ça. Voilà. On jouait avec des jeux comme ça. Merci beaucoup, Alan. Merci, Julien. Merci. Et puis, on vous laisse vous amuser parce que vous avez encore plein de jeux à faire. Merci à vous. Voilà. Allez. Allez, si vous avez envie de donner votre avis sur les jeux vidéo, rejoignez-nous sur la table média, web média de la Ligue de l'Enseignement, en partenariat avec la Web TV Cap Nord-Est, hein, puisqu'on est sur leur réseau. Donc n'hésitez plus, venez nous dire comment vous étiez un joueur quand vous aviez 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Est-ce que vous utilisiez les jeux vidéo? Vas-y Martin, ne me fais pas des signes, amène les gens qui ont envie de témoigner. On a des questions à leur poser. Voilà. Allez, on reste en direct.
la Ligue de l'enseignement. Alors les petits aigrins en route pour le prochain départ. On y va rouler jeunesse. Allez, voilà, on continue notre petit tour de tous les joueurs qui sont à la maladrerie aujourd'hui. Alors déjà, je vais commencer par vous présenter mes nouveaux invités. Comment vous vous appelez ? Moi, je m'appelle Sokaina. Bonjour, Sokaina. Toi ? Sokna. El-Bachir. Bah, approche bien le micro, comment ? El-Bachir, d'accord. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo déjà ? Oui. Alors, à quel jeu vous jouez, vous ? Je joue à FIFA. À FIFA ? GTA. D'accord. Approche bien le micro. Pose-le sur le menton. Voilà, regarde, tu le poses comme ça et c'est parfait. Vas-y. Fortnite un peu. Toi, tu joues à quoi ? Moi, parfois, je joue à Roblox. D'accord, je connais pas. D'accord. Et toi, tu joues à quoi ? Je joue à Dance Dance et... Non, c'est des jeux sur la tablette, c'est ça ? Des applications ? Ouais. Vous jouez avec des applications aussi ? Oui. Ouais. Je joue un peu. Ouais. Alors, il y a le jeu des jeux vidéo, mais est-ce que vous jouez à autre chose ? Parce que vous êtes des enfants aussi, est-ce que vous jouez à autre chose ? Les jeux vidéo. Rien à part les jeux vidéo ? Non, à quoi d'autre ? Parfois, on sort et on joue. On joue, voilà. Vous êtes aussi en train de jouer dehors. Oui. À quoi vous jouez dehors, alors ? Au chat, à cache-cache. Parfois au loup, parfois à cache-cache. Cache-cache-loup. Ah oui. Et toi ? Au rouleur, du vélo. Du vélo, ah, du vélo, voilà, quand même. Du foot. Un peu de foot aussi, ah ouais ? J'en fais. Est-ce qu'il y a des jeux ici que vous aviez jamais vus, des consoles que vous aviez jamais vues ? Moi, le jeu où tu peux bouger, tu te bouges toi-même et ça bouge sur le personnage. Pose bien le micro sur ton menton. La réalité virtuelle, c'est ça où tu mets le casque là ? Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, ça ? Oui. Ouais. Ça nous plaît, oui. Je l'ai jamais essayé, c'était trop cool. T'avais jamais essayé ? Oui, c'est trop cool. C'est trop cool, ça ? Oui. Est-ce que vous avez l'impression de vous prendre pour des super-héros comme ça ? C'est vous qui êtes dans le jeu ? C'est ça. Et vous imaginez que on puisse vivre comme ça ? Ça serait trop bien. Parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler pour qu'on vive comme ça. Alors imaginez-vous, vous allez plus à l'école, mais vous mettez un casque virtuel et vous allez dans votre chambre et là vous êtes avec tous les autres. Ça, ce serait bien ou pas ? Oui, ça serait bien. Il n'y a pas de faire des accidents avec les autres. Ah ouais, mais à la récré, tu joues comment ? Avec le casque virtuel. Ah ouais, vous avez toutes les solutions, vous. Hein. Oui. Comment vous voyez, vous, dans le futur,
Comment vous voyez les jeux vidéo? Comment ça va être les jeux vidéo dans le futur? Peut-être... Approche bien le micro. Peut-être, je jouerai tout le temps. Tu joueras tout le temps? Oui. Ah ouais? Quand tu auras des enfants et tout, tu joueras tout le temps? Quand j'aurai des enfants, c'est eux qui vont jouer tout le temps. Et moi, ah ouais? Et toi, tu vas leur dire ça suffit, hein? Tu poses la console, hein? Et toi, Elbachir, alors du coup? Comment tu vas faire pour... Est-ce que tu vas, tu vas jouer tout le temps aussi? Non. Moi, je n'aurai pas d'enfant. Je vais faire du sport. Ah ouais. Toi, tu veux faire quoi comme métier plus tard, tu sais? Déjà football. Footballeur. Et tu préférerais faire footballeur avec un casque de réalité virtuelle ou sur le terrain avec Mbappé et tout ça là? Sur le terrain. Ah, sur le terrain. Bon, bah merci beaucoup. Je vais vous laisser aller jouer. Parce que vous avez fait tous les jeux là? Non, j'en ai pas fait. Moi, je vais attendre pour faire avec ma copine, avec Soukaina. Et est-ce que vous aviez déjà vu les jeux qui sont derrière là? On a fait un jeu. Cool. Ah ouais? D'accord, ok. On a fait un jeu, faire la bagarre. C'est le jeu que j'ai pas essayé, c'est celui avec le pistolet. J'ai pas. Alors, vous profitez. Vous êtes content qu'il y ait une journée comme ça à Gravigny pour découvrir les jeux vidéo? Oui. Ok. Super. Eh, je vous embête plus et je vous dis à plus tard. Ça marche? Oui. Allez, on se dit au revoir. Merci. Adios. Au revoir. Salut. Adios. Adios.
Eh bien voilà, on continue notre petit tour des jeunes, moins jeunes, de toutes les générations d'ailleurs, qui fréquentent aujourd'hui le forum, mais non, c'est le Retro Gaming Days. Messieurs, bonjour, prenez le micro, posez-le sur le menton. Allez, petit tour de table de présentation, on commence par jeune homme, comment tu t'appelles, d'où tu viens ? Corentin, j'habite à Évreux. Enfin, d'accord. Mais bon, je connais bien Gravini, je connais bien le PST. Tu connais bien Gravini et le PST, d'accord. Je suis un ancien animateur des PST. D'accord, ok. Ah, d'accord, j'étais tu reviens sur tes terres. J'étais à UE, c'est ça. À UE, d'accord. Le jeune homme qui est à côté de toi ? Bah, bonjour, moi c'est Rémi. Et pareil, je viens d'Évreux. Et je suis ici parce que Corentin m'a fait connaître justement. Cet événement, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Toi ? Bah, moi je viens de Conches, je m'appelle Nicolas et je suis en études tout simplement. D'accord. Et donc toi t'as vu de la lumière ou t'étais avec tes potes, t'as dit j'y vais. Voilà. Non, c'est mon frère. C'est ton frère, d'accord. Ah, oui. Bah, moi je m'appelle Vincent. Ok. Et puis pareil, mon pote Corentin m'a parlé de cet événement là. Et puis je me suis dit c'est l'occasion aussi d'inviter le petit frère. Okay. Parce qu'on on aime bien jouer aux jeux vidéo. De temps en temps, donc ça peut être sympa d'apprendre pas mal de trucs. Alors justement, vous êtes de quelle génération vous à peu près? Vous avez quel âge? 2000. 2000. 2000 ouais. Pour les trois. 2000 pour 2000. Les trois là, d'accord. Moi je suis 2006. 2006, ah oui, d'accord. Donc est-ce que là, moi j'ai une question à vous poser, c'est comment vous vous amusiez il y a 20 ans? Mais on va dire il y a 15 ans quoi. Comment vous vous amusiez il y a 15 ans vous? Sur les anciens jeux, toutes les consoles quasiment qu'il y a ici, on les a tous passées. D'accord. Pas mal la GameCube. En même temps que la Wii, parce que les jeux GameCube passaient sur la Wii aussi. Donc GameCube, les premières PlayStation, la 1, la 2, la 3, beaucoup poussé là-dessus. D'accord. Et puis après, de fil en aiguille, les DS, les nouvelles générations de consoles. Très peu téléphone, mais plus console de salon. Plus console que plus console. Ouais, plus console. Un peu PC, mais quand il y avait les jeux Flash à l'époque sur les sites de jeux. D'accord. Mais sinon. Alors beaucoup de gaming ou aussi on s'amusait avant avec un peu de jeux de plateau, vous faisiez quoi, des rencontres physiques, aller faire du vélo, des trucs, ou vous étiez vraiment quand même à vous amuser avec les consoles? Ça dépend parce que nous on habite plutôt en campagne, donc on était plus chez nous en général. Et après on a été inspiré par notre grand frère qui du coup on a été dedans quoi et ça nous a plu. Ouais. Ouais, ça s'est suivi de génération en génération. Bah ouais, comme il disait, déjà c'est le grand frère qui jouait à la PS2. Et même moi de là, j'ai commencé à jouer à la PS2. On a eu la Wii, le petit frère il a moi, suivi. Moi j'ai la Wii, ça, je l'ai poncé. Ouais. Et de là, on jouait beaucoup à la Wii. Et dès qu'on a eu la DS, pareil, on enchaînait. Et puis les consoles se refilent, les jeux se refilent, les tuyaux, les astuces. Voilà, et toi? Ouais, moi c'est surtout la PS2, la Xbox, surtout aussi la Nintendo DS. Mon frère, je sais qu'il avait la Game Boy Color. Ah ouais. Ça, j'ai joué à ça aussi avec mon frère. Ça, je me rappelle. Et Donc beaucoup de jeux vidéo quand même. C'est ça. Mais ouais. Surtout nous deux. Surtout les deux là. On a bien pensé. L'information, la communication, comment ça se passait? Vous êtes né directement avec le téléphone portable, les SMS, comment vous communiquez? Toi tu dis que c'était la campagne un peu. Pour ma part, moi j'ai eu mon téléphone en 6e comme mes frères, pour le collège parce que c'était plus pratique. Mais les jeux vidéo en fait, au début on regardait et après on a fini par jouer petit à petit quoi. Ouais. Après on avait nos parents qui évitaient de trop nous mettre dans le bain des jeux vidéo parce que forcément il y avait cette peur là de d'être toujours dans les jeux vidéo et ne pas se concentrer sur les études. Donc ils nous ont plus ou moins restreint mais de manière positive sur les jeux vidéo. Mais après dès qu'on a eu les jeux vidéo, on y jouait de temps en temps, on avait le droit de jouer que les week-ends. Donc ça nous reste. Donc il y avait quand même des règles, ouais, un cadre. Mais c'est utile. C'est utile. Et l'information et la communication, c'était ça aussi. Est-ce que vous êtes adepte de la communication via les chats, via tout ça, ou on se rend compte, là on voit bien vous êtes tous les quatre, vous passez une journée ensemble, vous aviez pas l'air depuis tout à l'heure d'avoir votre téléphone en même temps pour envoyer 15 000 conversations. Non, comment vous faites? Ah oui, non, on a effectivement, pareil, on a grandi sans... on n'est pas né avec le téléphone dans la main. On privilégie dès qu'on peut de se voir en vrai, privilégier le contact, on essaie encore de faire perdurer ça.
même auprès des jeunes générations, quand on peut, on essaye de voir avec eux, de leur expliquer que bah voilà, c'est toujours plus cool aussi de se voir en vrai. Mais voilà, même de passer une journée qui n'était pas forcément prévue à la base. Voilà, spontanément, bah tiens, hier, ok, bah voilà, il y a le PST qui organise ça, est-ce qu'on y va? Ouais, bah voilà. Une journée comme ça, c'est intéressant pour vous de vous y retrouver. Ça fait sortir. Il y a des consoles que vous aviez jamais vues, des jeux que vous aviez jamais vus. Oui. Enfin, je pense aux bornes arcade derrière. Énormément de jeux que je ne connais pas. Les bornes d'arcade, j'ai pu en voir quand j'étais au collège. J'ai joué de temps en temps. Mais sinon, moi, tout ça, je ne connais très très peu. Bah, les seules consoles que je connais, c'est Xbox, Wii. Et sinon, tout le reste, j'ai pu voir, mais j'y ai jamais touché, pratiquement. Ouais, c'est ça, je connais plus par YouTube, par les vidéos de rétro gaming, tout ça, qui présentent les consoles, qui montrent pas mal de trucs. Parce qu'à vrai, sinon, j'avais déjà vu une borne d'arcade chez un ami il y a longtemps, mais... ouais, sinon, j'ai juste les consoles de mon époque, quoi. Ouais, c'est les consoles surtout, quoi. C'est ça, en fait. L'information, comment vous allez la chercher, vous? Est-ce que des lieux dédiés, c'est encore utile pour se déplacer, rencontrer des gens qui peuvent donner de l'information, que ce soit pour vos études, votre orientation ou les vacances? Ou est-ce que tout est sur le numérique? Moi, personnellement, je vois beaucoup plus les informations sur Internet. C'est beaucoup plus facile, maintenant il y a tout sur Internet, et puis ça évite aussi de se déplacer, il faut le dire aussi. Mais ouais, c'est aussi sympa de faire des rencontres, d'aller au contact des autres pour voir, parce qu'en fait chaque personne, je pense, a des avis différents. Donc c'est toujours intéressant de avoir quand même un lien direct. C'est ça. Est-ce que des fois sur Internet on se retrouve pas un peu perdu, quoi? Enfin, on suit la procédure, mais si on a quelqu'un qui nous aide, c'est pas mieux, non? Je dirais que je vais prendre mon cas personnel, mais c'est vrai que en tant que joueur de jeux de cartes, j'ai beaucoup appris par Internet et par moi-même. Mais quand on va en tournoi, tout ça, et qu'on rencontre des vrais joueurs, on apprend beaucoup plus. Genre de jeu de cartes, c'est-à-dire quoi? Yu-Gi-Oh! Comment? Yu-Gi-Oh! Moi, je connais pas. Je pensais Uno ou poker machin, mais ça c'est quoi alors le jeu? C'est un jeu inspiré du manga Duel Monster. D'accord. Qui a été adapté en animé. Il y a eu aussi des jeux vidéo justement là-dessus. Donc après on peut grandir dedans souvent avec l'animé, tout ça, et ça devient une passion. Et c'est un jeu de cartes en soi classique avec des règles comme tous les autres jeux de cartes. Vous avez collectionné des cartes, je pense à ça, comme les cartes Pokémon, les cartes tout ça? Oui, c'est un peu le même genre, oui. C'est ça, c'est ce qu'il disait, Nicolas. Yu-Gi-Oh, c'est ça, c'est un jeu de stratégie. D'accord. Alors maintenant, il y a de plus en plus de règles. Moi, ça doit faire au moins 10 ans que j'y ai pas touché, mais je sais que j'ai un ami, il a fait plusieurs championnats de France. Même moi, je participais à des tournois régionaux. C'est immense. C'est encore au-delà au niveau des cartes, c'est au-delà des cartes Pokémon. Ah oui. À l'époque du Pokémon Go, là, les rassemblements, vous étiez pris par ce truc-là, là? Oui. Ouais. Oh, j'avais pas de téléphone à ce moment-là, mais oui, sinon avec mon frère, ouais. Ouais, moi, dès le début, quasiment quelques mois à peine après la sortie, j'ai installé Pokémon Go parce que j'ai suivi Pokémon. Enfin, vu que je suis né en 2000. Oui, c'est ça. Ça a débuté en 96. Mais c'est générationnel. Hein. Pokémon, c'est toute ma génération. Là, j'ai quasiment tout. Enfin, j'ai commencé avec la 5e génération, et puis après j'ai tout suivi, même encore la dernière génération j'y joue. Pokémon Go j'y joue, il y a très peu de jeux. Il y a Pokémon Unite, je n'y joue pas parce que ça m'intéresse pas trop, c'est très compétitif, moi je cherche pas ça, je cherche juste le plaisir du jeu, de jouer à Pokémon, de rencontrer des joueurs, etc. Et Pokémon Go, c'est vrai que ça m'a permis de sortir énormément, de rencontrer énormément de gens. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des rencontres. Ouais. Ça, c'est le kiff, hein. De pouvoir se balader et jouer, c'est le kiff, ça. La réalité virtuelle, le métavers, c'est le futur? C'est dangereux? À voir. T'as beaucoup crié ou chanté, toi, non? C'est non, mais pas juste après un coup de froid hier soir en soirée, mais... non, mais... non, le métavers, c'est comme... ça va être comme les réseaux sociaux, en fait, c'est... L'idée est bonne, je trouve que l'idée est bonne, mais ça va être comment ça va être utilisé. Parce que les réseaux sociaux, c'est pareil. Les réseaux sociaux, alors nous, on n'a pas connu tout ce qui était copain d'avant et comment il s'appelait avant Facebook. MySpace, MySpace. Hein. Ouais. Nous, on est plus arrivé à l'époque de Facebook.
Mais voilà, les réseaux sociaux, à la base, c'était pour s'apporter une bonne idée, pour rassembler les gens, de ne pas perdre contact aussi avec la famille lointaine, à l'étranger. Plus simple que d'envoyer des lettres tous les 4 matins. Mais voilà, c'est... ça pourrait être le futur si c'est géré correctement, si c'est contrôlé, très contrôlé, notamment pour éviter le gros problème du harcèlement, cyberharcèlement. Ah oui, tout ça, oui. Tous ces problèmes-là. C'est vrai qu'on pensait pas à ça. Quand on sait que maintenant les enfants sont de plus en plus jeunes dessus, moi, pour travailler dans les centres de loisirs et des écoles, je vois les enfants à 6 ans, ils ont déjà le téléphone, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est. Il y a plus. Cette surveillance ou ce contrôle que nous on avait au début. Ouais. Je me rappelle que l'âge c'était 13 ans. J'étais à 13 ans, mais 13 ans, j'ai créé mon compte Facebook avec ma mère derrière. Ouais. Elle disait tu fais ça, tu bloques ça, tel truc. Mais c'est lié à quoi à ton avis? C'est que les parents, les gens qui sont parents maintenant sont nés avec un peu avec les réseaux sociaux, qui ont les enfants, et c'est pas qu'ils banalisent, mais qu'ils laissent plus facilement l'accès. C'est pourquoi on. Parce que c'est vrai que c'est 13 ans toujours, hein, l'âge légal pour avoir un réseau social. Hein. Mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont bien avant 13 ans sur le compte. Quoi. Ça peut peut-être aussi être un moyen de canaliser l'enfant comme ça. On lui donne une tablette, ça le canalise et nous on peut faire autre chose à côté. Quoi. Ouais. Et le parent est tranquille. Quoi. C'est... En tout cas, c'est ça. J'ai observé beaucoup de choses. Et puis ce qui peut jouer aussi, c'est que maintenant, tout est plus facile d'accès, on va dire. Même les consoles dernière génération, on peut les trouver... pas cher du tout dans les magasins dans les ressourceries, les magasins d'occasion. Donc, même les consoles qu'il y a là, peut-être un peu moins parce que maintenant ça prend de l'âge. Mais voilà, par exemple une PlayStation 3, ça peut se trouver facilement. Tout se trouve beaucoup plus facilement, c'est ça en fait. Plus abordable aussi. C'est une des rares choses qui peuvent se trouver moins chères maintenant qu'avant. Un concert en métavers de chez soi, voir l'artiste, c'est quelque chose qui vous tente, ça? Ça pourrait être bien. Ça pourrait être intéressant. Après, pour avoir déjà testé la VR, ça déglingue les yeux. Ça fait extrêmement mal aux yeux. Donc, je suis pas trop fan de la réalité virtuelle. C'est sympa à tester, mais sans plus. Après, pour voir un concert, oh, pourquoi pas? Ouais. Ça peut être intéressant. Nous, on n'était pas trop chaud, hein, parce que vaut mieux être dans la salle, avoir les musiciens directement, parce que là, le son va arriver de tes enceintes, tout ça. Enfin, l'immersion professionnelle par la VR, découvrir un métier au lieu d'aller faire un stage, c'est du complément ou ça peut complètement remplacer? Un peu plus compliqué. Du complément. Ouais. Du complément. Ça ne remplace pas le terrain. Ah, ouais. Ça ne pourra jamais remplacer le terrain. Le mieux, c'est d'y aller direct, c'est d'aller sur le terrain. C'est le meilleur. Moi, par exemple, qui veux travailler dans la police, il n'y a aucun intérêt que je teste avec des réalités virtuelles. Ça ne pourra jamais remplacer le vrai métier. C'est impossible. Parce que c'est du tac au tac. C'est ce qu'ils vivent. Ils le vivront peut-être le lendemain ou bien ça sera complètement différent. Exactement. Donc, c'est du social. Tout le métier social. L'exemple de police ou l'exemple même nous, les animateurs. Les animateurs, comment avec les jeunes, tu t'imagines bosser avec tout, des non. jeunes en méta? Ah non, ça va être compliqué. C'est plus cool de les voir en allez, mettez-vous en rond. On part à la cantine. Allez hop, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le e-sport. Le e-sport. L'arrivée aux Jeux Olympiques. Là, il a des choses à dire, l'e-sport. C'est du sport pour les feignants, c'est vraiment. Non, rien à voir. C'est génial. Parce que c'est ça génial. On taquine un peu. Hein. Ouais, parce que ça reste quand même un investissement personnel. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un ami qui se lance à fond dedans, qui a fait sa première compète régionale. Et il a passé des semaines et des semaines et des semaines. Non, c'est de la préparation mentale. Après. Ça remplacera pas non plus le plaisir de voir. Enfin, ça remplacera pas le sport physique. Mais je pense que ce serait plus du mental que du physique. Ouais. Ton avis, vas-y. Ouais, je suis d'accord avec Corentin. Le e-sport, c'est beaucoup plus mental que physique. Parce que sur la durée, ça peut être au niveau psychologique, faut faire attention. Je pense qu'il faut avoir une bonne préparation. Que ça soit au niveau même, au niveau mental, il faut avoir une bonne préparation parce que ça peut vite être problématique au fil du temps, je pense.
Les garçons. Moi, je dirais que c'est pas une question de remplacer ou pas, c'est plus de se mettre à côté et ça, de lui laisser une place aussi. Oui. Parce que c'est vrai que l'e-sport, c'est un monde à part, mais ça reste un sport comme un autre. C'est oui, plus mental, comme il disait, mais ça reste une compétition comme les compétitions de sport normaux, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que moi je suis une chaîne YouTube justement Pokémon qui où le gars fait de l'e-sport, il participe à des compétitions de Pokémon, le VGC. Donc en vrai c'est intéressant et oui encore une fois c'est beaucoup de mental parce que des fois c'est compliqué de perdre des matchs ou bien quand l'adversaire il fait des mauvais plays, il faut prendre sur soi parce que des fois il gagne en faisant des mauvais plays. Donc c'est beaucoup de mental, mais après tant que il faut se lancer, si les gens sont déterminés il faut qu'ils arrivent à se lancer et puis s'ils arrivent à en vivre tant mieux. Donc pourquoi pas de l'e-sport aux Jeux Olympiques, ça peut être intéressant. Il y a un gros business, les gens arrivent à en vivre, il y a du gros sponsoring, les sportifs ou les e-sportifs sont poussés, hein. En tout cas c'est clair. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire? Après je vous libère, je vous laisse aller jouer ou pas d'ailleurs. Moi personnellement, petite pub pour un jeu vidéo qui nous a bercé de toute notre enfance. Vas-y. C'était sur PS2, on a commencé sur PS2 avec Sly Cooper, le deuxième. Et c'est un jeu où un raton laveur avec son petit groupe, ils font des missions de vol. Bon, le numéro 2 c'est récupérer des pièces de Clockwork, ça. Mais ça allait jusqu'au quatrième opus. On attend, on croise les doigts, le cinquième qui est annoncé depuis des années mais qu'on verra jamais. Mais ouais, c'est un jeu qui a bercé notre enfance. On a commencé avec le 2 parce qu'on n'avait pas la Play 1. Et il y a quelques années, j'ai pu acheter la trilogie sur Amazon, compatible sur PS3. Donc ça m'a rebercé dans toute mon enfance. Ah oui. Et après est arrivé le quatrième sur PS3 aussi. Et là, pareil, une grosse claque dans la tronche qui me fait redescendre dans mon enfance. J'ai passé des heures dessus. Des heures et des heures à attendre. Pour le coup, on a même fait le platine du jeu. Il a fait le platine du jeu entier, qui était vachement intéressant. Et quand on voit tous les succès, justement, il y en a qui sont plutôt simples à platine, mais d'autres, c'était un peu plus long, un peu plus compliqué. Mais c'est des jeux qui ont vraiment un gameplay unique et à découvrir. C'est des jeux qui ont très très bien vieilli. Donc c'est toujours un plaisir à refaire et à redécouvrir. Ouais, si je pouvais oublier tout ce que je savais du jeu, je le recommencerais. Reprendre le plaisir de rejouer. Ah ouais. C'est super ça. Toi, un jeu à conseiller comme ça, c'est intéressant ça. Ah moi c'est FIFA. Hein. FIFA. Ouais mais alors FIFA, il y en a tellement. C'est quel... Ouais, mais... par exemple Corentin hier, j'ai joué contre lui à FIFA. Il s'en souvient encore. Il a du mal à. Hein, c'est ça, c'est pour ça en fait. Chaque fois je gagne contre lui. Ah là ça charrie là. C'est... Ouais. FIFA ouais c'est le jeu de mon enfance. Je jouais sur ça sur PS2, enfin sur Nintendo DS aussi. Franchement c'est toute mon enfance ça. Franchement FIFA, okay. Incroyable. Incroyable. Ok, et vas-y, toi aussi, un jeu peut-être, un dernier mot. Moi, si je devais conseiller un jeu, sans compter les Pokémon, moi, le jeu qui m'a bercé, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 et 3 sur les PS2. D'accord. Surtout que là, ils ont fait une promo de dingue, ils ont annoncé un quatrième, un retour. Donc, un petit retour aux sources, ça fait pas de mal. Bon, après, sans compter tous les Tekken, mais le jeu sur lequel j'ai passé plus d'heures... Quand j'étais plus jeune, c'était les Dragon Ball, Dragon Ball Z. D'accord. Moi, je crois que c'est Verali sur la PlayStation 1. C'est un jeu de voiture. On faisait des courses contre la montre, des courses contre le fantôme. Et voilà, parce qu'on n'est pas trop jeux vidéo finalement. Un peu de Tekken, on se battait les uns contre les autres. Mais des jeux très très simples. Si j'ai fait un jeu comme ça, un jeu qui s'appelait Soul of Darkness, il fallait passer dans des. Mais ça reste des trucs simples. Ah, voilà. Bon. Merci les garçons d'avoir pris un peu de temps. De rien. Et puis à une prochaine fois. Hein. Plaisir. Au revoir. We'll be right back.
Yo, voilà, on continue notre petit tour. Voilà, on fait tout en même temps, la technique, tout en même temps. Voilà, c'est bon. On est pas mal, on est bien même, mon Tintin. Toujours en direct de la maladrerie à Gravigny, voilà, effectivement. Il fait beau, il fait chaud. On est toujours à la recherche de jeunes et moins jeunes qui viennent témoigner de leur expérience, de leur échange avec le jeu vidéo. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce nouveau plateau, j'ai deux jeunes hommes. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre taille en centimètres et votre rôle social à Gravigny? Je m'appelle Yanis, je mesure 1m85. Alors en centimètres, Yanis. 185, voilà, pardon. Voilà, c'est bien. Et je suis un jeune de Gravigny, je suis au point accueil jeune. D'accord. Et j'ai fait ma scolarité principalement à Gravigny. Principalement à Gravigny, d'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Cédric. D'accord. Donc je suis arrivé il y a genre presque 2 ans à Gravigny, donc je suis plutôt récent. Et Approche bien le micro. Ouais, et Non, je suis pas grand. T'es pas grand. tu veux pas nous dire ta taille, t'as bien raison, garde ça pour toi. Assis-toi, Manu. Ouais, allez, déconne pas, Manu. Ouais, alors. Non, on l'a jamais fait. Alors, t'as jamais fait, j'imagine, ouais. Non, on l'a jamais fait. Les gars, vous et le jeu vidéo, c'est quoi? C'est une longue histoire d'amour? C'est. Oui, c'est... Oui. Moi, oui. Développe. C'est du geekage. Ça a commencé quand? Bah, j'avais des jeux style Adibou, tout ça, quand j'étais petit. Ah ouais, ça remonte de loin, là, Adibou, là. Ouais, ça... Et après, j'ai vraiment commencé sur les sites style jeux.fr, jeux.com. Ah ouais. Ah, les petits jeux en flash. Ouais, c'est ça, jeux flash. Yeti Gamesport et tout ça. Ouais. Ah ouais, mais toi, tu dis quoi? Un peu. Ah ouais, quand même, ouais. Moi, je connais rien là-dedans. Ah ouais. Rip flash. Vous avez quel âge, vous? 15 ans. 15 ans. 17 ans. 17 ans. Donc vous, si je vous dis à quoi vous jouiez il y a 20 ans, forcément... Rien du tout, quoi. Bon, bah, il y a 15 ans, bah, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Bon, il y a une dizaine d'années. Ouais. Alors, vous jouiez avec quoi, à quoi il y a une dizaine d'années? Quel était... Est-ce que vous êtes né avec le numérique, avec une tablette, avec une console, ou est-ce que vous jouiez autrement? J'ai commencé le jeu vidéo, c'était sur tablette. J'ai commencé avec Minecraft, j'adore ce jeu. D'accord. Après, j'ai continué avec un peu les petits jeux mobiles. Et après, je suis arrivé sur plus les jeux PC et tout, les styles RPG et tout. J'aime bien. Ah ouais. Et toi, Yanis? Moi, du coup, c'était. Ouais, j'ai commencé sur l'ordi, donc ouais, petits jeux flash, des trucs comme ça. Et sur le téléphone de ma mère, du coup, c'était les jeux auxquels elle jouait. C'était 2048, ouais. Passionnant. Et ça lui coûtait cher que tu joues sur son téléphone ou pas? Non, ça lui coûtait cher ou pas? Il y avait des dépassements de crédit, des trucs ou non? Non, bah, c'était principalement des jeux hors connexion. Donc, D'accord. Et pas de console? C'est arrivé plus tard. Ouais. La console plus tard, ouais. Ouais. Vers quel moment, quel jeu, quel type de console, le nom de la console? Bah, je crois que ça devait être vers 10 ou 12 ans. Ouais. C'était la Wii. Donc, non. Si. Ah ouais. Bah, la Wii, elle était dans beaucoup de familles, ah, hein, en clair. Fait. Hein. Ah ouais. Je crois que c'est le plus gros succès de vente de consoles de tous les temps. Je pense que c'est la Wii qui a été vendue. Là où les gens sont mis au sport, en fait, avec, avec la Wii. Bah, c'est accessible à toute la famille. Ça, ouais. Donc, ça s'est bien vendu, la Wii, je pense. La Wii, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi. Toi? Même question, tu jouais à quoi plus jeune? J'ai aussi commencé avec la Wii, donc avec Wii Sports et Twilight Princess, Zelda, vraiment, c'était incroyable. Ah, je l'avais. Voilà. Zelda, je l'ai bien saigné, ouais, sur la Wii. Est-ce que vous étiez uniquement greffé sur le numérique, ou est-ce que vous jouiez aussi un petit peu avec vos amis en vrai? Ah oui, oui, oui. Jouer dehors avec les gens du quartier, ou pas que sur les écrans, ah, quoi, non, aussi. Non, non. Non, à l'époque, ouais, non. Okay. Enfin, même maintenant. Ouais.
Pour vous, quand on parle d'information, est-ce que vous vous informez uniquement via un ordinateur, via une tablette, en ligne, ou est-ce qu'il est encore nécessaire pour vous d'avoir des espaces où on peut aller s'informer, que ce soit pour les vacances ou pour vos futures orientations, métiers Où est-ce que vous allez chercher l'info, quoi? Ouais, c'est ça. Quand vous avez une info... Non mais dis-le que je pose mal les questions, Manu. Bah non, mais c'est pas que je le dis, mais je reformule. Ouais, c'est ça, tu vois, je suis dans l'écoute active, ouais, tu vois. Tu dis des trucs, je reformule. Bah, ouais. Et eux nous regardent... Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont même pas d'accord sur leurs questions. Par exemple, quand on veut voyager, genre, l'office du tourisme, ça peut être un truc sympa pour s'informer, parce que sur Internet, il n'y a pas forcément... Il y a de bonnes idées, mais si on veut des trucs dans la région, pas loin, c'est sympa d'aller par chez nous chercher. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que ça existe, mais est-ce que tu l'utilises? J'ai déjà été, oui. Ouais, ok. Toi, Yanis, non? Yanis, ça sent le... Non, vite mais... Est-ce que tu descends manger, Yanis, ou est-ce qu'on te porte ton repas quand tu joues ton... Non, quand même pas. Non, mais sinon, pour information, il y a aussi les médiathèques, les bibliothèques, les trucs comme ça. Ouais. Que tu utilises ou tu sais que ça existe, non, mais non, tu l'utilises pas. C'est l'utilises. Pas pareil, hein. Non, mais parce que oui, on sait que ça existe, mais on l'utilise pas forcément, quoi. Non, pour vous, c'est quand même important de pouvoir rencontrer des gens physiquement aussi. Oui, oui, c'est important. Aujourd'hui, vous êtes à fond dans les jeux. Comment vous vous détermineriez? Moi, geek, bah moi pas c'est geek. Pas. C'est par période. Parfois, il y a 2-3 mois, je joue, je m'enferme. Et parfois, j'y touche pas du tout. Ça dépend. D'accord. Et toi? Bah moi, surtout quand il y a mes amis, j'aime bien jouer avec mes potes. Mais non, je passe pas tant que ça, sinon dessus. Ouais. Le futur pour vous dans les jeux vidéo, c'est quoi? Le futur, le métavers, la réalité virtuelle, ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est la réalité augmentée. Ce serait d'avoir des lunettes ou des lentilles constamment qui soient en réalité augmentée. Mais oui, je veux vivre dans un jeu. C'est trop bien. Je veux être le super-héros de ma vie. Ouais. Carrément, carrément. Pour ceux qui ont vu Ready Player One, je pense que ça serait un truc comme ça, en univers virtuel. Ouais, donc toi, t'es vraiment à fond dans le truc, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais ça serait la réalité augmentée, je pense, c'est... ça serait la réalité en mieux, littéralement. Donc, un concert, t'irais le voir en réalité virtuelle ou t'aurais quand même envie d'aller dans la salle pour prendre le souffle de la basse et du... Non, je pense quand même pour des concerts, des trucs comme ça, c'est... Vaut mieux quand même aller sur place et... c'est des pour sensations vivre, différentes. Vivre le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Un institut de bien-être, par exemple, je sais pas, un massage en réalité virtuelle. Je pense qu'il y a dans des une combi. Ouais. Dans une combi et ça te dans masse. Dans une combi des os qui te fait masser. Je pense qu'il y a des choses pas remplaçables et qu'il y a des choses qu'il faudra quand même les garder en physique. Rien que le contact humain, je pense que c'est plus important de parler aux gens en face qu'à travers quelque chose. Le e-sport qui fait son arrivée aux Jeux Olympiques. Et qui remplit des stades de 50 000 personnes. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre ça, d'ailleurs. Mais... Des sponsors s'intéressent aux e-sportifs. C'est quoi votre avis là-dessus? Bah, moi, je trouve ça assez logique. Genre, c'est comme... Ça devient pour toi un sport au même titre que n'importe quel autre sport, quoi. Bah, pour moi, c'est comme les échecs. Ouais. On va pas bouger, mais... Ça, c'est de la compétition et c'est des efforts intellectuels ou techniques. Ouais, tu mets ça au même titre que les échecs, quoi. Ouais. Ouais, hein. Bah ça se défend, hein. Non, non, mais ça se défend, mais est-ce que c'est dans le domaine du sport, en fait? Bah, un peu pour moi, quand même, parce qu'il y a quand même... Il y a de l'entraînement, il y a de la persévérance, il y a de la tactique, de la réflexion, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pas juste on est là à jouer. Quand on est à un niveau où on fait de l'e-sport, c'est... Il y a beaucoup de travail derrière. Mais un artiste, il y a de l'entraînement, il y a de la réflexion avant de sculpter une œuvre. Il y a des... Et est-ce que c'est du sport? Non. J'ai pas d'avis, hein, je me fais... Mais là, ça va être trop philosophique pour eux. Après, l'art, il y a beaucoup de... Enfin, l'art, il y a des gens qui en pratiquent, mais chacun a son style. Alors que le jeu vidéo, c'est... tout le monde part de la même base, du même jeu vidéo, entre guillemets. Je prends l'exemple de League of Legends. Beaucoup de gens y jouent, mais très peu de personnes arrivent à avoir un niveau comme les gens qui jouent en compétition. Il faut beaucoup, beaucoup de travail.
Un truc qui me vient comme ça, parce que vous avez l'air d'être à fond les gars, est-ce que pour vous, ce serait hyper important que même le corps évolue sur les générations futures pour avoir peut-être les mains, les doigts adaptés aux manettes ou aux choses comme ça? Est-ce que ce serait important? Ou de jouer sans manette. Jouer sans manette. Enfin, bah oui, là, lui, il veut des lentilles. Alors, bah oui, non, mais c'est ça. Non. C'est pas que la réalité augmentée, c'est carrément le corps augmenté mieux jouer. Oh, je pense que ça n'arrivera jamais. Ça va plus être dans le sens inverse. Ah. C'est les constructeurs qui vont faire des manettes qui s'adaptent toujours plus au corps. Plutôt l'ergonomie du matériel que l'ergonomie humain pour le matériel. Bah d'ailleurs, ici, on le constate parce que entre les manettes de la NES toutes carrées et le truc de l'Oculus où les manettes, tu les prends dans la main et avec le casque, la manette devient ta main en fait. Ouais. Il y a déjà une évolution de malade en 40 ans. En 40 ans. Donc, on ne sait pas ce que ça donnera dans 40 ans. Quoi. On ne sait pas. On espère être encore là pour le voir. Oh oui, on sera là. Un jeu que vous avez, comme on dit, saigné, séché, et que vous feriez tout. J'ai bien aimé les gars que j'ai eu avant, ils m'ont dit si je pouvais faire Eras pour le refaire, tellement il m'a procuré de plaisir, je le ferais. Shadow of the Colossus. Shadow. Vraiment, j'adore. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu de la team ICO, donc ils ont aussi fait The Last Guardian. Et c'est un jeu, donc on démarre, on a un personnage. Son seul but, ça va être de sauver donc une personne qu'il adore. Et il va se balader à travers un monde qui est plutôt vide, mais qui est très, comment dire, épuré. Et va falloir battre des colosses 12. Et le but, c'est. Les colosses, c'est littéralement un donjon. On peut grimper dessus et tout. Enfin, c'est vraiment un jeu impressionnant techniquement pour l'époque. Et aussi niveau gameplay. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de dialogue, mais on ressent quand même tout ce que ressent le personnage. Et j'adore. Une expérience. C'était sur quelle plateforme? C'était sur PS2, je crois. Ouais, ce que j'allais dire, PS2, parce que ça date Shadow of the Colossus. Ouais. Ah ouais, il y a très bon jeu. Moi, ça serait. Fais le tri dans tous les jeux que. Fais le tri. Tetris. Non, voilà. Moi, ça serait Undertale. C'est un jeu sur PC et console. Et c'est un RPG, mais où on peut épargner et devenir ami avec les monstres. Et du coup, ça interroge le joueur sur. Qu'est-ce qui se passe si on veut justement tous les tuer? Et est-ce que on est au-dessus des conséquences d'une envie malsaine? Il m'a perdu là, mais je suis d'accord. Mais les gars, c'est très bien. Et la relation à l'autre dans le jeu vidéo, puisque on joue dans le monde entier en comment on appelle ça, j'avais le mot avant de en réseau, voilà, en ligne, online. Le link se fait avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Est, les États-Unis. Les States, NBA. Effectivement, le lien avec l'interaction avec d'autres gens qui sont pas avec nous physiquement, mais qui sont à distance. Je prends l'exemple de It's Take Two, un jeu vidéo qui joue seulement à deux, que en coop. La personne a beau ne pas être là. En fait, en communiquant avec et tout, on va pouvoir progresser dans les niveaux. Et la personne a beau ne pas être là, franchement, c'est très très intéressant et très très sympa de s'aider de quelqu'un pour avancer. Et il y a une vraie interaction et c'est sympa. Il y a une vraie interaction. Je joue quasiment que en solo, je peux pas juger. Bah, moi, je peux dire pour mon fils qui a leur âge, il joue beaucoup en ligne. Et alors un truc tout bête, mais grâce à ça, il parle couramment anglais. Ah ouais. Ce qui est un truc de malade. Ouais. Mais ça fait 2 ou 3 ans déjà, il parle couramment anglais. Parce qu'il joue avec des Américains, des Allemands, des je sais pas quoi. Tout le monde communique en anglais. Du coup, il parle couramment anglais. Et puis un anglais, en plus un anglais, on va dire, de la vie de tous les jours. Bah quoi, c'est ça, courant quoi. Courant, je suis sûr, il va aux States, il parle normal, tu vois. C'est un truc de malade quoi. Les métiers du jeu vidéo, c'est quelque chose que... C'est une branche que vous aimeriez tenter, que vous tentez peut-être? Je voudrais travailler là-dedans justement dans la programmation informatique, plus dans la programmation de moteur de jeu ou alors plus tout ce qui est IA. C'est un truc qui me passionne et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et c'est pas seulement la création de jeux vidéo, c'est pas seulement des gens derrière un PC comme des geeks. Non, il y a du travail, il y a plein de gens qui communiquent entre eux, des game designers, des développeurs, des artistes,
des gens qui écrivent les scénarios. Y a c'est, plein de c'est comme faire un film en fait. Exactement. Et t'as un réalisateur, des cadreurs, des monteurs, des trucs dans un jeu vidéo. J'imagine que c'est le même. Parce que les jeux ils sont quand même vachement plus évolués. Et comme tu disais, avec des mondes, de la réflexion, ce que ça t'apporte et tout. Donc, par exemple, il y a le studio français Quantic Dream qui a fait Detroit Become Human. On peut voir là où ils mettent beaucoup de talent. Beaucoup de talent de recherche, de travail derrière, c'est qu'ils ont carrément une salle pour faire du motion capture, ça s'appelle. Ça permet de capturer les mouvements faciales des personnages et ça retranscrit beaucoup mieux que juste un personnage qui est là, qui parle avec un dialogue. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à ces studios, la France, l'Europe, comment elle se situe par rapport à tout ça? Est-ce qu'on est, on est bon dans la création de jeux vidéo? On pourrait penser que tout vient de l'Asie, mais comment est-ce qu'il y a des bonnes écoles en France qui sont primées? Ouais, on est bon. On a Epitech. On a Epitech par exemple pour tout ce qui est informatique. On a aussi l'école 42 à Paris pour apprendre la programmation. En studio de jeux vidéo qui sont très bons, on a Quantic Dream encore une fois, qui avait fait Beyond Two Souls aussi. Jeu très connu avec Detroit Become Human. On avait aussi Ubisoft il fut un temps avant qu'ils partent loin. Et enfin, on a quand même des bons studios. Hein. Ouais, il y a Ankama avec Dofus, que, enfin un des plus gros MMO qu'il y ait eu. Donc ouais, en France, on est niveau jeux vidéo, on est pas mal. On commence à rentrer dans une filière. Je te pose la question parce que comme tu as l'air de t'intéresser, on commence à rentrer dans une filière jeux vidéo à partir de quoi? Après la troisième, après le bac? Alors, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, si on veut faire de la programmation, moi, je vais partir en BUT. Donc du coup, c'est un bac plus 2 ou 3, Deux ou trois, ouais. Après, on peut aussi partir n'importe quand. C'est-à-dire que par exemple, l'école 42 à Paris, créée par Xavier Niel, elle permet, vous travaillez, je sais pas, vous en avez marre de votre métier, vous pouvez partir en formation là-bas. Et en fait, il y a un... Si pour faire simple, vous réussissez les épreuves d'entrée, ils vous payent gratuitement. Donc toutes les études. Et après, ils vous proposent de travailler chez du coup Iliad. Ah, j'avais fait ça moi, mais pour être électricien chez EDF, mais ça n'a pas marché. Si on veut, il y a plein de moyens effectivement de s'insérer dans le milieu de jeux vidéo, de la programmation, même de l'informatique en général. Si on veut se reconvertir, oui, c'est. Faut du travail, faut de la persévérance, faut plein de choses à apprendre, mais c'est possible. Je l'ai pas fait encore jusqu'à maintenant quand j'ai rencontré les gens, mais j'ai envie de le tenter avec vous. Une petite musique de jeu vidéo, un truc qui vous est resté dans la tête sur un jeu, ce serait quoi? Dans Undertale, encore une fois. Ah bah, connais pas. Je connais pas non plus. Meilleur OST à mon goût. J'arriverai pas à la refaire, mais la musique de Ocarina of Time, Zelda. Ah, de Zelda, classique. Ouais, Zelda, ouais. Des grosses productions musicales, Zelda. Moi, comme ça, je dirais Tetris, parce que c'est le truc qui reste dans la tête. C'est clair. Ouais. Ça, c'est gravé, tu sais. C'est vrai. Bah, merci les gars. Manu, est-ce que t'as encore un truc à dire? Tu l'enlèves, ta réforme non, ou pas vous irez bosser jusqu'à 64 ans et vous, comme vous êtes plus jeune, ça sera 67, 68. Si, un truc, plus vous jouez aux jeux vidéo, plus ce sera tard. Si, un autre truc qui me questionne et qui me semble toujours un peu. Enfin, à mon époque, je pense pas que ça aurait marché, c'est les jeux que t'achètes, pas finis. Et plus il y a de gens qui l'achètent pas fini, ça donne de l'argent aux développeurs pour qu'ils puissent continuer à améliorer le jeu. Alors mon fils joue à un truc, je sais plus le nom, dans l'espace. Star Citizen. Exactement. Et genre ça fait 5 ans qu'il joue et le jeu est toujours pas terminé. Tu crois que c'est une arnaque ou... Pour lui c'est non, pas une arnaque. Il est pas le seul à payer pour à avoir. Ouais. En fait t'achètes le jeu, il est à 30%, mais tu peux déjà jouer, mais c'est pas terrible. Et le plus mec est dans les Caraïbes tranquillement, il t'envoie de temps en temps dire oh, j'avance. Mais non, mais le jeu est mis à jour régulièrement et ça devient un truc énorme. Il y a pas mal de jeux comme ça, oui, effectivement. Et oui, par exemple, Star Citizen, ça fait près de 10 ans qu'ils ont commencé le développement. Et le jeu au début, il avait pas cette tête là, effectivement, mais franchement, il a bien avancé. Et il y a plein de jeux comme ça. Ça permet aussi, par exemple, à des petits développeurs indépendants qui veulent créer leur jeu. Ils ont l'idée, mais pas l'argent nécessaire. Pas les moyens, ouais. Et donc ils commencent, les gens s'intéressent, et après, effectivement, ça peut donner un bon jeu. Pas forcément tout le temps, mais c'est une très bonne chose, je pense. C'est un peu comme une cagnotte à laquelle tu comme le crowdfunding. Non, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. C'était, je voulais juste terminer là-dessus. Ouais. C'était énorme, Manu, merci beaucoup. Y a pas quoi. Les garçons, un dernier mot, le mot de la fin.
Merci beaucoup. C'est une magnifique journée dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Oh là là, c'est parfait. Merci les gars. On est sur de la haute voltige. Voilà, le temps de retrouver d'autres invités. On se quitte.
toute façon les a vus. On dit toujours une petite route de campagne. Allez, c'est parti, jingle. Voilà, toujours en direct de la Maladrerie à Gravigny, un plateau conjoint entre la Ligue de l'Enseignement de l'Eure, la Ligue de l'Enseignement de l'Eure, et le Web TV Cap Nord-Est. C'est peut-être même un des derniers plateaux que vous avez la chance d'avoir en direct sur la Web TV Cap Nord-Est. Et donc, nous avons trois nouveaux invités, dont deux nouveau, qui ne sont pas des nouveaux invités, hein, puisque nous retrouvons Florentin et Manu. Donc, c'est nous ça. Avons un nouvel invité qui se prénomme Nicolas. Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Nicolas, quel est ton rôle social et ta taille en centimètres? En fait, va falloir modifier le son parce que j'entends rien ce que tu me dis. Ah oui, d'accord. Donc... Alors attends, on va essayer de mettre un peu plus fort sans faire de l'arsen. Tu vois, c'est il faut tout gérer. J'ai en entendu temps. Parler de taille en centimètres. Ouais, c'est ça. Alors c'est ta taille en centimètres. D'accord, hein. Ok. Tu me rassures. je flirte avec les 1m72, je crois. D'accord. Ça c'est en mètres, hein, et en centimètres, ça fait donc 172. Voilà, c'est ça. Voilà. Attention, ça va cingler. Nicolas, est-ce que tu es un joueur de console ou est-ce que tu l'as été? Comment tu t'amusais il y a 20 ans? Je lutte été et j'ai arrêté parce que sinon je jouais trop. Donc pour essayer d'avoir une vie sociale, en fait, j'ai arrêté. Ah oui. Quels étaient les jeux auxquels tu jouais? Si je dois me rappeler des meilleurs souvenirs que j'ai beaucoup rincés, SSX, Tricky, jeu de snowboard, qui était magnifique. Tony Hawk Skateboarding, GTA, c'était les principaux, on va dire. Pas, même pas de Gran Turismo. Pas de voiture. Ah, pas de voiture. Pas de Verali, Colin McRae. Non. T'es un freerider, toi. Freerider. C'est ça. Est-ce que c'était une passion numérique du jeu ou est-ce que tu étais aussi un freerider dans la vie et tu transposais? J'étais à titre perso, j'adore toujours ça, mais en fait j'ai connu les consoles sur le tard. C'est-à-dire qu'avant, bon, j'ai joué un petit peu sur PC, mais j'ai dû avoir ma première console à 18 ans, donc avant c'était plus en soirée, entre amis. Et ces fameux Gran Turismo, etc. Comme je me faisais éclater à chaque fois, j'y jouais pas. Donc pour toi, les jeux vidéo, c'est une extension de ce que tu faisais dans la vraie vie, en fait. Non, je me faisais pas éclater dans la vraie vie. Non, mais je parle par rapport au snowboard et tout ça. Oui, alors par contre, j'étais pas skater. Mais ouais. Non, ce jeu-là était vraiment beau. Enfin, il y avait des combos qui étaient magnifiques, qui étaient hors de la vie réelle. Ouais, c'était pas possible. Mais c'était la montagne, le sentiment de liberté, j'adore ça. Alors, quand tu dis j'ai eu une console tard, c'est vers 18 ans et tout ouais, ça, c'est ça. Comment tu t'amusais avant? Avant, j'habitais sur Saint-Sébastien et en fait on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de sport, on se voyait entre amis, on avait une forêt pas loin, on allait chez les uns, chez les autres. Donc c'était surtout ça, quoi, vélo, sport, amis, feu de camp, apéro, tout ça, quoi. Du lien social, quoi. T'as remarqué quand même, apéro avant 18 ans, hein, ça envoyait. Et pareil, on dévie un petit peu sur les moyens de communication, le téléphone, tout ça. Comment, avant d'avoir un téléphone, comment tu communiquais? Comment tu avais des informations? Alors, l'internet soit là. On utilisait beaucoup les signaux de fumée. Ensuite, Monsieur est indien. Les pigeons voyageurs. Ensuite, on habitait très proches les uns des autres, donc on allait voir. On allait voir si les gens étaient là. Après sont arrivés les tatous, les tam-tams. Ah oui. Et puis après les téléphones, donc il y a eu une petite période tatou tam tam, mais à l'époque on allait juste voir s'il y avait du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Ouais, puis comme tu dis, on allait voir, on allait frapper chez le voisin. Est-ce que Thomas il peut sortir? Et puis ce que je trouve toujours assez remarquable à raconter aux générations plus jeunes, c'est quand on demandait à sa mère en disant voilà, je vais appeler chez mon copain pour l'avoir, ou c'était peut-être sa copine cachée, et t'appelais, tu tombais sur les parents, il fallait que tu te présentes, tu disais oui bonjour, c'est Maxime, est-ce que je pourrais avoir Thierry, et t'entendais tu restes pas 2 heures parce que ça va coûter cher. Maintenant c'est même plus à qui ils parlent, ils ont chacun leur propre moyen de communication qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, comment tu t'amuses, comment tu communiques, Nicolas? Je m'amuse toujours avec le sport, je m'amuse toujours avec l'apéro, je m'amuse toujours avec les amis, je n'ai pas trop de consoles, j'ai une Switch à la maison, surtout pour les enfants, mais je remarquais que je jouais pas assez avec eux,
Sinon, c'est pas un amusement, mais ma passion, ça reste le bricolage. Donc je bricole beaucoup en bâtiment, en objet. C'est plutôt une passion hobby, quoi. Et justement, par rapport à l'utilisation que tes enfants font des jeux vidéo, est-ce que tu joues avec eux ou est-ce que plus tu les laisses jouer, mais tu t'interagis pas avec eux, avec les consoles ? Alors, je les laisse trop jouer tout seul et j'interagis pas assez avec eux. Bon, en même temps, leurs jeux sont pas top. Mais enfin, non, c'est pas qu'ils sont pas top, mais ils ne conviennent pas. C'était mieux avant. Le futur, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métavers, tout ça, c'est des trucs qui te parlent, qui te branchent. Alors, réalité virtuelle, oui, assez. Métavers, ça me fait plutôt flipper. Je fais pas mal de lectures de manga et c'est monde fantastique où t'as l'impression d'aller dans un autre monde. Je crains que ce soit vite addictif. Donc c'est plutôt ce côté-là qui m'inquiète. Après, réalité virtuelle, ouais, j'aime bien le principe. J'avais connu ça il y a très longtemps, mais avec des écrans IMAX où t'avais pas d'écran sur les yeux, mais t'avais des écrans tellement grands que c'était très immersif. Et c'était beau, il y a des choses sympas. Mais ouais, vraiment sur le métaverse, moi ça me perturbe un peu. T'étais beaucoup dans le sport, le e-sport, les compétiteurs e-sport, l'arrivée du e-sport aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, j'aurais pas vu ça en premier. Après qu'il y ait des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, bah, c'est comme toute discipline. S'il y a des championnats qui s'organisent, carrément. Après, c'est vrai que je l'aurais pas vu aux Jeux Olympiques personnellement. Pour moi, les Jeux Olympiques restent des athlètes de corps. Là, on est, même si ça peut devenir des sports de très haut niveau, qu'il y a des conditions physiques à avoir, etc., je le mettrais dans un championnat du monde, mais pas au JO, quoi. Toi, en tant que spectateur, parce qu'on voit qu'il y a des compètes d'e-sport qui remplissent des stades comme un match de foot, tu peux avoir 70 000 personnes. Toi, en tant que spectateur, ça t'irait voir une compète d'e-sport ? J'irais pas. Enfin, j'irais si on m'y invite et avec des amis pour voir par curiosité, parce qu'effectivement, il faut découvrir et je pense que l'ambiance est sympa. J'ai vu des images, je n'ai pas vu en live, mais quand on voit la ferveur, etc., ça reste passionnant à voir. Mais c'est pas une discipline qui me plairait particulièrement. Je préfère le beach volley féminin. Ouais, ah, oui, bah, oui. Moi aussi. Oui, moi aussi. Toi, Flo, tu préfères toi, quoi Flo? Ah, je sais pas. Flo, toi, justement, tu es de la génération un peu peut-être réalité virtuelle, futuriste, métavers et tout. Je demandais tout à l'heure un rendez-vous bien-être en métavers dans une combinaison, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que d'aller genre, dans un institut de massage? Ouais, genre un massage en réalité virtuelle avec une combi. Ah ouais, ça dépend, ça coûtait moins cher je pense déjà. Il n'y a pas de déplacement à faire. Ouais. Mais je pense que c'est pas... Ah, quoique. Ah, ouais, est-ce que c'est pas moins agréable que d'avoir des mains sur son corps quand même directement? Je sais pas. Il y aura bientôt des combinaisons avec des capteurs sensoriels qui renverra le mouvement. C'est ça. Je crois que ça existe déjà. Arrête, tu m'inquiètes. T'as une question, Flo, toi peut-être? Non, j'ai pas de question. Manu me les prend tous. Manu est terrible. Manu est terrible. Désolé. Soit il reformule, soit il pique les questions des autres, quoi. Non, mais moi non plus, j'ai plus de questions. Si, est-ce que tu t'informes uniquement sur Internet ou est-ce que pour toi c'est important que les jeunes générations aussi aient des lieux dédiés à l'information, que ce soit pour leurs vacances, leurs loisirs, la scolarité, ou est-ce qu'on peut tout aller chercher sur le numérique? Alors techniquement, je crois qu'on peut tout aller chercher sur le numérique maintenant. Après, moi, j'ai plutôt à cœur de multiplier les supports. J'essaye de leur apprendre encore à utiliser un dictionnaire, à utiliser des livres, à aller chercher l'information auprès de cellules, d'associations, etc. Je pense qu'il faut multiplier les supports, recouper l'information et jamais se fier à une seule source. Mais c'est vrai que Google est notre ami maintenant. C'est facile de lui poser une question et d'avoir vite des réponses. Ouais. Mais il faut savoir recouper l'information. Je crois que ça, c'est essentiel. Est-ce que vous aviez tout l'univers chez vous, non? Oui. L'encyclopédie, tout l'univers. En 12 volumes. Je crois qu'elle est encore chez mes parents, d'ailleurs. Avec elle des meubles. Bon, ben voilà. Pour moi, en tout cas, je pense que, parce que c'est écrit sur la fiche, ne pas faire plus de 2 minutes maximum. On les a dépassés. Je crois qu'on n'a jamais respecté, même, on va dire. Donc, le mot de la fin sur ce plateau, Florentin, peut-être pour toi? Parce qu'en plus, ça touche à sa fin, les rétro gaming. Un petit bilan? Bah, l'année prochaine, décembre. T'es
Ah, il se mouille pas lui. Hein, non, l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, faut revenir en décembre. On va refaire toutes les communes, je pense. Ça on verra. Mais non, mais par contre, ouais, en décembre, on a prévu avec Julien et l'équipe de renouveler, mais sous forme d'un gros tournoi enfant-parent sur Mario Kart. Ah ouais. Donc, je pense que ça peut être super sympa. Et puis un petit bilan de la journée, bah, nous on est très satisfaits de la fréquentation, de l'ambiance et de voir que c'est essentiellement des familles avec des enfants. Que ça crée, comme tu disais, je joue pas assez avec mes enfants, là ça crée ces temps-là d'utiliser le moyen jeu vidéo pour jouer avec ses enfants tout simplement. Donc bah, nous on est. Moi je suis très content de la journée. Une belle journée d'échange en tout cas. Tout à fait. Ouais. C'est clair. Moi j'adore, c'est le choix du lieu où on assimile des technologies modernes dans un bâtiment qui est magnifique ouais. Et qui est quand même très ancien. Et je trouve que ça fait un beau contraste. C'est magnifique. C'est vrai. Énorme. Eh ben écoute, on va se terminer là-dessus. Hein. On va finir. Ouais, on va sur terminer ça. Là-dessus. Ah, là, Martin, tu veux. J'ai le chiffre final. Hein. Ah, vas-y, alors combien le des chiffres. 225 personnes. Voilà, 225 personnes. Bah, écoute. Donc c'est très bien, très très bien. Avec un pic entre 13h et 16h. Merci pour les d'accord. Stats, Martin. Oui. C'était très et important. Et la moyenne de pas par personne, tu l'as, non oui. Et entre 16h12 alors, moi, et 16h15, il y avait combien non. Je l'ai compté. Elle est environ de 1200 par personne. 1200 par personne. Ouais. Ok. Bon, bah, merci pour tous ces chiffres. C'était vraiment, très intéressant. C'était énorme. Franchement, merci beaucoup. Ça va pouvoir compléter le bilan. C'était pas facile. C'est... Non, c'est ça, c'est clair. Et comment vous avez fait? Vous avez équipé les gens de capteurs ou... Non, j'étais par terre en train de compter. Il n'avait voilà. Pas une tâche facile aujourd'hui. Technique à l'ancienne, il n'y a que ça qui fonctionne. Et ben, en tout cas, merci à vous de nous avoir accueillis. Nous bah, aussi, merci à toi, Max. Merci. Et puis, on était ravis d'être avec vous et de partager ce beau moment. Voilà, on se retrouve l'année prochaine ou avant. Hein. Sûrement. Allez. Ou en décembre pour Mario Kart. Ou en décembre. Allez, j'espère qu'on fera une finale avec des vraies cartes à pédales déguisées en Mario. Ah, ça, oui. Hein, ouais, mais on a plein d'idées avec comme ça. Qui jettent des ballons, des trucs. On va retrouver les cartes Mario Kart bientôt. Eh bah, merci à tous. Allez, à bientôt.